Tu serais pas un robot YouTube par hasard? Zetriox qui d'ailleurs se serait endormi sur son clavier en écrivant ZZZZZZ en ayant la touche appuyée. C'est énorme. Temps en temps il se retourne et puis ça appuie sur la touche Enter. Voilà. Mais bien sûr, on dit voilà, quoi. Voilà. Voilà. Salut les gens, bienvenue sur ce live sur GTA en semaine parce que j'ai pas de respect. Voilà. Allez, le c'est non-respect. C'est le GTA en semaine. Bienvenue. D'ailleurs, bah, vous voyez pas d'image, c'est normal, hein. C'est parce que bah, il faut peut-être que j'aime le jeu. Il y en a pas. Voilà. Voilà. En fait, c'est un écran noir. Voilà le live. Ah bah tiens ça. Waouh, ça fonctionne du premier coup. Merci OBS de fonctionner et de faire ce qu'on te demande. C'est gentil. Pas comme la dernière fois, hein. Non, j'ai les yeux tournés vers l'écran d'OBS, là. Regardez s'il me met pas une image fixe. C'est ça. Là, il est en mode... Waouh, tu fonctionnes. Salut Zetriox, comme d'hab. Hein, est-ce qu'il quitte de temps en temps, lui, je me demande. Salut Keshira. Il est bloqué sur le live, il est à temps. Tu invites Renard. Bah, déjà, faudrait que je lance le jeu, mais en fait. Pourquoi tu l'as toujours pas fait? Même moi, je l'ai fait. Tu devrais avoir honte. Mais attendez, le temps qui se lance, voyons. Oh. Mais oui, quand bien sûr. J'étais pas du tout sur Warframe et pas avoir quitté. Non. Attends, je suis quelqu'un de très pro, ça fait une demi-heure que je suis sur GTA, voyons. Bah oui, attends. Mais bien gros. Sûr. C'est pas du tout sur Warframe, voyons. D'ailleurs, il faudra vraiment que j'achète 8Go de RAM supplémentaire parce que bon, le live plus GTA, ma RAM elle a tendance à souffrir. Je sais pas pourquoi. Je demande. Je propose que t'enlèves ton pour la blague, ton truc de refroidissement en même temps que tu fais le live. Tu vas voir, ça va être drôle. Nah, le pire, c'est que mon processeur ne va même pas cramer, en fait. Il y a un nouveau système de protection sur le processeur. Dès qu'ils atteignent 100 degrés, ils ralentissent juste à mort pour se refroidir. C'est tout. Oui, tu m'avais dit ça. Ouais. Donc, du coup, ta réflexion est débile. Juste d'un coup, ça va se mettre... c'est bon, ça a fini, on peut continuer. Voilà. Moi je propose. Mon professeur est en train de. Voilà. Oui, et moi bon, je propose un jour on fait un live où y a rien. J'ai pas foutu l'image de ma cam tout simplement parce que bah ça sert à rien sur GTA en fait. Puis ça consomme du processeur pour rien. Et puis voilà. Et puis au final c'est pas plus mal, voilà. Exactement. Vous avez pas besoin de voir ma sale gueule de toute façon, c'est bon. C'était gratuit. Bon Renard, tu viens. Bah, pourquoi tu t'inquiètes pour Renard là? Tu peux m'expliquer? Allô, je suis ici. Bah parce que c'est lui qui invite pour les parties. Oh là là. Parle là, voyons, mais qui es-tu? Que fais-tu ici? Espèce d'enfoiré. Alors les gens, non, ça n'a pas. Oui, bah oui. Bon, j'adore Zetriox. Bonsoir Nasbandé Renard. Merci. Ah, il a quand même ajouté Erasus. Hein. Merci beaucoup. À ce que je vois, je suis très aimé sur cette chaîne. Oui, ça va, merci Keshira. Et il a dit finalement c'est GTA. Bah oui, non, c'est pas du tout GTA, attends. Non, là c'est FF, pourquoi voilà. Vous connaissez pas écrit... En fait, on vous l'a pas dit, c'est un live FF10. Voilà. C'est pas écrit GTA 5 en bas de l'écran, hein, rien du tout. Non, c'est faux. C'est ça. Moi sinon, GTA est en train de faire n'importe quoi là. Pourquoi je vous rassure, d'ailleurs, ça a pas bugué hein, cette fois, hein. C'est juste qu'on attend que Renard arrive. Et que je le veuille oui, bien. Parce que c'est vrai que moi je compte pas, hein. Bah non, toi on s'en fout. Bah du coup, je peux pas lancer une partie en privé et puis déjà inviter Resus. Bah étant donné que je suis en chargement, ah bah. Oui, voilà, tu peux m'inviter. Start, c'est bon. Tu fais start en ligne. J'étais online. Et qu'est-ce que c'est après? Session sur invitation, un truc comme ça. Ok, d'accord, bah là j'ai chargement du mode en ligne. Merde, j'aurais peut-être pas dû aller sur en ligne directement. Et parce que là, il va falloir que tu retournes sur mode histoire, parce que, attends, c'est quand même logique que quand tu veux créer une session privée, tu vas d'abord sur le solo. Voilà. Je le sais. Il y a Zetriox qui dit, mon petit mexicain portugais, j'attends toujours mon château. Hein. Ah, mais je l'ai fait le château. Tu l'as eu hier. Salut Raptor Loulou et salut Sophie le Jeune, je vais bien et elle vous demande si vous allez bien aussi d'ailleurs. Voilà. Peut-être. Je suis actuellement en dépression, peut-être. Peut-être, ça va bien. Peut-être. Bien évidemment, c'est peut-être. Non, mais GTA, il va planter combien de fois encore là? Ah, d'accord, on a décidé de faire un live sur GTA et en fait, non. En fait, vous aurez le droit à un live sur du blanc. Ah, Renard du 65 est en ligne. Waouh. Non, GTA vient de planter tout simplement. Est-ce que... GTA m'a dit quoi un live sur GTA? Mais non, casse-toi, j'ai pas envie, mais non, Renard du 65, mais non, je suis en grève, la merde. Renard du 65 s'est déconnecté.
mon jeu qui est en mode non, c'est le week-end. Non, pas la semaine. Non, non, mais non. Tu vas te faire foutre, c'est pas la semaine que tu fais ça. Oh, non, mais tu rigoles ou quoi? Est-ce que tu as le seum actuellement? D'ailleurs, là, j'ai mon jeu qui est en mode bah, chargement du mode en ligne, hein, au fait. Sinon. Au fait, hein. Ouais. Je suis toujours en train de charger, je te jure. Ça. Comment ça, je fais rien? Si, si, je charge. Salut, salut, Linard. Bon, je vais peut-être redémarrer le jeu éventuellement. Hein. Enfin, je crois qu'il charge dans le vide là. Non, mais c'est vrai, il y a que moi qui a réussi à entrer dans le jeu vraiment. Bah, disons que j'ai essayé d'entrer dans le mode en ligne de, tout de suite et en général. C'est quoi ça? C'est une manette Xbox 360 qui vient de se casser la gueule chez Tiger. Tout va bien. Ceci était contrôlé et normal. Mais bien sûr! Mais tout va bien! Que personne ne s'inquiète. C'est le fantôme de GTA qui est en train de protester. Voilà, exactement. Je fais grève. Je fais grève. Un peu le concept, ouais. Accéder au pouvoir. Ce que j'adore, c'est Steam qui me dit accéder à la communauté Steam tout en jouant sur le truc de mise à jour de GTA. Mais non, mais c'est pas un jeu, ça, Steam. Hein. Je sais que ça ressemble à un jeu, mais non, c'est juste un truc de mise à jour. On joue c'est pas ça. Là-dessus. Hein. Et non, tu non, joues non, à quoi? Bah, je joue au truc de mise à jour de GTA 5. Putain, mais quel jeu. Wow. T'as vu, c'est tellement de la merde. Oh là Dieu, là. Est-ce que le jeu serait en train de se lancer? Ouais, Dieu. Je vais peut-être attendre que tu m'invites cette fois. Que... Oui, ou alors je crée une partie et je vous invite aussi. Attends, une partie créée par Resius? Non, mais ça va, oui. Est-ce qu'ils vont pas entendre? Espèce d'enfoiré. Sinon, vous avez vu, c'est un live qui, comme d'habitude, démarre parfaitement, hein. On n'a pas déjà perdu 10 minutes. Hein. Non, voyons. On a tout à fait prévu, on avait déjà lancé le jeu à la base. Voilà. C'est ça. Sinon, t'as réussi à te connecter, Renard? C'est en train. Ok. On attend plus que toi. Hein. C'est pas en voiture. Mais vu que la SNCF est souvent en retard, ben, je sais pas quand on peut arriver. Putain, il a pensé à la même blague de merde que moi. Oh là là, mais arrêtez, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, je vais tenter de charger le mode histoire en attendant. Hein. J'ai bien tenté. Ah, toi aussi. Ah, tenter. Allez, on peut le faire. On peut y arriver. Vous pouvez y arriver, mec. Vous pouvez le faire. Je crois en vous. Mais j'étais là, il croit pas en moi, là. Il y a Milvin M1 qui nous a dit TG. Bah écoute, TG à toi aussi, hein, ça fait plaisir. Allez, tout le monde lui dit TG. Allez, TGV. Tous ensemble, TG Milvin M1, merci. Oh, ça va tellement être horrible. Mais non, t'as pas compris, elle a oublié le V, elle voulait dire TGV, tu vois. Voilà, oh bah tiens, le mode histoire il s'est chargé lui, en 3 secondes. Mais moi aussi, ça y est. Incroyable. En fait, non, au final, vos jeux vont pas vouloir démarrer, je vais être le seul à jouer en fait. C'est ça. Ça va être drôle. Je vais devoir faire un live tout seul. Là, on est au deuxième niveau, c'est le mode online. Attention. Voilà, attention, est-ce qu'il va. Attention. Je suis un tube glyph. Compliqué. Bon, je vais aller me balader avec ma voiture en attendant. Hein. Voilà. Ah merde, et j'avais moi, pas une voiture chromée dégueulasse là, il me semble. Dans le garage c'est... peut-être. Oui, j'ai une voiture chromée dégueulasse, ouais, cool. Waouh, trop bien. J'essaie de me débarrasser d'une voiture dont je n'ai plus envie, d'avoir. Une vieille voiture nulle moche. Mais bien sûr, la radio qui démarre sur du rap à la con. Merci GTA. Attends. Bah attends, pourquoi non, changer les bonnes habitudes? T'as pris, voyons. Allez, Radio Mirror part. Bonjour monsieur, vous promeniez votre chien? Ah merde, j'ai shooté le chien, oh non. Non, j'ai pas fait ça. Bande de psychopathes. Merde, non. J'ai tué le mec aussi. Non, j'ai tué que le chien, fait chier. Monsieur, reviens, ton chien va pouvoir vivre sans toi. Voilà, hop. Monsieur, votre oh chien, non, vous devez l'accompagner, monsieur. Voilà, oh monsieur, je vous roule dessus à de multiples reprises, comme ça je suis sûr que vous allez, voilà. Avec qu'est-ce lui. Que c'est que cette violence là exactement? Voilà, je lui ai roulé 5 fois dessus, tu crois que c'est suffisant? Je pense que tu dois encore lui rouler un petit peu dessus. Voilà, non, mais j'ai shooté un chien en. Oh. Ah, j'avoue, ça c'est mal plat. Quand même. Monsieur, voici votre plat. Oh, t'es ignoble. Bah oui, c'est un hot dog. Oh putain! Bon, c'est tu t'arrives à rejoindre le mode en ligne, Renard? Voilà. Ouais, justement, je vous invite tous les deux. Ah ouais? Dans 2 secondes, t'as la société protectrice des animaux qui va arriver en mode monsieur, arrêtez ça tout de suite! Mais j'ai shooté un chien, quoi. Oh. Chier, j'avais pas envie, moi. Voilà. J'ai ma manette qui vibre en permanence, là, écoutez bien. Ah oui? Ah oui, il a activé le mode vibromasseur, c'est pas mal. Voilà, c'est bon, je vais me l'enfoncer dans le cul et tout ira mieux. Oh non! Oh putain! Oh pitié, me donne pas cette vision dans la tête!
Alerte, rejoindre une session GTA Online. Bah je sais pas, quand je clique sur Online en général... Une prime offerte sur Resus, ça y est, ça commence. Et quoi? Une prime offerte sur Resus. D'habitude c'est moi qui me prends la prime sur la gueule. Oui bah me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée d'ailleurs. Le jeu qui nous aime pas, tu sais. Tellement ça en plus. Le jeu qu'en fait il veut qu'on s'entretue, tu vois. Et voilà. D'ailleurs, live très intéressant aujourd'hui vu qu'on va farmer du fric. Voilà. Je dois attendre 200 000 dollars pour acheter un appartement, ce qui va servir à rien vu que les braquages sont toujours pas disponibles. Voilà. Vous aussi, si vous voulez pas que ce live soit comme ça, donnez des dons. Allez-y. Voilà, donnez des dons sur GTA, hein. Cela. C'est ça. J'ai plus de fric dans la vraie vie que dans le jeu, c'est pas normal quoi, merde. Je peux m'acheter plus de trucs dans la vraie vie que dans ce jeu à la con. Ça la fout un peu mal quand t'as plus de choses dans la vraie vie, quand même, j'avoue, là. Je me suis absolument pas tué, c'est faux. Il y a Melvin qui dit « On m'appelle l'insulteur parce que j'insulte et je protège ». Bon, bah moi, on va m'appeler l'enculeur, dorénavant. Ah. Ok. Allez, je vais prendre ma magnifique moto rose. Oh putain. Attends, oui, j'arrive, il s'est passé des choses depuis le dernier live, les gens. Regarde, c'est ma... Une prime de 9 000 $ a été placée sur votre tête. Ah bon? D'accord. Regarde-moi, elle est ma moto. Regarde ma nouvelle voiture que j'ai achetée qui coûte 138 000. Je sais pas, je te vois pas. Ah effectivement, la coquette. Ouais, elle est belle. Je peux faire ce que je veux. Ah voilà. Tiens, dégage de ta caisse. Pardon? Non mais, monsieur... Oh monsieur. Non, je déconne. D'ailleurs, comment tu fais du coup pour faire ça, pour faire en sorte qu'elle soit quoi à toi? Ah, c'est drôle. Le nouveau mode rivalité chaque balcon est désormais disponible. Ouais, et puis le nouveau mode braquage qui fonctionne. Bah non, est-ce voyons. Que ça marche ça? Surtout qu'il faut payer très cher, même si ça fonctionnait, il fallait avoir masse de fric pour y arriver. Monsieur, attendez, je veux juste vous tirer les balles de l'amitié dans le cul, revenez. Dis-moi, ça va être vachement intéressant là, le live en ce moment. Monsieur, mais arrêtez de rouler aussi vite, voyons. C'est les balles de l'amitié, voyons. Venez, c'est l'avancée que je tire en boucle sur une voiture, les flics ils s'en foutent. J'ai pas une étoile. Ah, monsieur, ça y est. Mais non, t'as dit que c'était les balles de l'amitié, attends. Ah bah je crois que je l'ai eu, après lui avoir crevé les 4 nœuds et criblé son arrière de balle, ça va. Bon, du coup, on fait une mission alors. Bah attends, je vais justement aller voir, vu que tu reparles des braquages, peut-être que, vu qu'ils ont sorti un nouveau mode de Versus, peut-être qu'en même temps, ils se sont dit, tiens, si on réparait les braquages éventuellement. Non, je veux pas piquer la bagnole de ce mec, je veux récupérer ma moto, ouais. Merci. Moi j'aimerais surtout pouvoir personnaliser ma bagnole, parce que Serge l'a acheté, c'est bien, hein, mais elle est nulle. Enfin, ouais, elle est pas jolie, elle est toute noire, c'est pas top. Je croyais que j'avais pas d'étoile, mais si, j'en ai une. Oui, t'en as une. Est-ce que t'es content? Ah merde, putain, je suis tombé de ma moto. Je propose que pendant ce live, on fasse du golf. Non. Voilà. Ta vie tennis. Est qui c'est qui veut s'enjailler à faire du tennis ou du golf? Non merci. D'ailleurs, il paraît qu'il y a une mission de yoga dans le solo. Sérieux? Sérieux? Une mission merde. Où tu fais du yoga pour te réconcilier avec ta femme. Et il paraît que c'est une des missions les plus chiantes du jeu, en plus. Ça va être très intéressant ça. Voilà, je suis planqué dans un tunnel sous terre. Là, s'ils me repèrent, je sais pas comment ils font. Hein. Bon, là, je me suis garé bien comme ça. Je vais aller vers le truc de golf et je vais aller tuer tout le monde. Voilà. Ça va, j'ai du sang qui sort du trou de balle. Tout va bien, j'ai juste mes règles. Hein. Voilà. Oui, c'est un peu bizarre là, mais. T'es sûr que c'est pas plutôt des hémorroïdes? Hein? Non, les braquages marchent toujours pas. Voilà. Non, ça va, bon, là, on fait l'émission. Là, ça me TP juste à l'infini quand je. Donc en plus, bien évidemment, hein, les gens qui regardent le live, ce ne sont pas des missions d'ici des courses, non. C'est tout le temps la même mission qu'on va faire. Hein. Bah oui, attends, hé oh. Si t'as faire un live pour gagner de la thune. Moi, je déconne. Hein. Non, moi, je déconne pas. Oh bordel. Bordel. Tellement que t'as hâte de dire ça. Bon, on fait une mission alors. Ouais, bah du coup, j'ai préparé la bagnole. Ah merde! Et me mettre une tenue braquage lourd parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance encore une fois. Je sais pas, mais c'est toujours Resus qui fait conneries hein. Non mais c'est. À chaque fois qu'on a fait une mission offline, c'est toi qui a foutu le merdier qui nous a fait louper! Tu as ta part de responsabilité. Non! Ainsi que renard. Non, on était toujours dans la voiture blindée. Il y a une fois où tu nous as fait péter la voiture blindée alors qu'on était sur le point de ramener la drogue. C'est pas moi qui l'ai fait péter, c'est un ennemi. Mais oui, c'est toi qui as mis la mine comme un con. J'ai une excuse. Qui est? J'étais pas là, j'étais au cinéma, c'est ça? Ouais. C'est un mogul. C'est moi qui ai raison. Ouais. Ouais, ta gueule, ma valise est mieux, c'est ça. Voilà. T'as tout compris, écoute, c'est bien. Je propose que, comme d'habitude, on aille voir Gérard. Bah oui, attends. On est ses fournisseurs officiels maintenant.
Ah, moi j'ai plus une thune, du coup je vais avoir du mal à le voir. Du coup tu me dis quand tu envoies l'invitation, parce que moi j'étais ouais, à refuse de m'indiquer. Ah bah si, bah pour une fois il refuse pas. Bon, j'ai pris ma moto avec, hein, parce que tout le monde sait qu'une moto dans ce genre de mission c'est la meilleure chose du monde. Mais oui, moi j'ai pris ma méga voiture de sport. Ah tiens, il me met directement sur la country. Oui, moi aussi. Il sait ce qu'on écoute. Vas-y, est-ce que moi aussi, ou est-ce qu'il va mettre le vieux rap nul? Ah, c'est bon la country, J'ai 125 000 $, ouais. Ah, trop de riches. Waouh, moi j'ai 1 276 $. La banque a décidé de pas me vider mon compte pour une fois. Oh, c'est bien, c'est original. Non, parce que dans la vraie vie, une banque qui te vide ton compte sans rien te dire, en général, c'est à coup de procès que ça se finit. Hein. C'est ce qu'on appelle un vol. Voilà. Oui, monsieur, on a pris votre argent. Pourquoi? Pour payer des factures? Non, non, on a juste pris votre argent. Ah. On avait envie, comme ça, on sait qu'on avait besoin d'argent pour organiser la fête de Lucille. Ouais. Amour et rock'n'roll. Oh non, tais-toi. Voilà, est-ce que vous voulez rentrer dans ma nouvelle voiture? Non, je vais aller en moto au lieu de rendez-vous parce que c'est tellement safe. Allez, nouvelle voiture, tu peux te dire, voyons. Oui, c'est pour ça que je viens de lui rentrer dedans. Oui, bah oui. Parce que moi, ma moto, elle coûte pas cher, hein, je l'ai améliorée à peine et puis voilà. Ah, moi, elle coûte 138 000 ma bagnole, donc bon. D'ailleurs, les gens, c'est le premier jeu que j'essaye qui est réellement 1080p. Dites-moi s'il y a des lags ou autre, parce que si c'est le cas, je diminue en 720p. Mais bon, techniquement, j'ai essayé de charger aujourd'hui une vidéo sur YouTube en 1080p avec ma vraie vitesse d'upload et ça chargeait sans problème. Donc techniquement, ça devrait être bon. Voilà, techniquement quoi. Voilà. Techniquement. Voilà. Bon, ça a marché pour Final Fantasy hier, mais bon. Oui, voilà, c'est utile, hein, mais bon. Ah oui. Bah, en même temps, Final Fantasy 7, enfin Final Fantasy 9 plutôt. Et c'est un jeu qui, en fait, j'avais dit 480p, mais non, la résolution native du jeu c'est du 360p. Hein. Ah ouais. Tu vois, donc, ce que je dis, tu vois, c'est très bon en 360p, c'est ce que je te disais hier, c'est super. Donc le 1080p était absolument nécessaire. Il fallait voir le jeu en HD, avec ses pixels gros comme mon poing. C'est à qui, bon, j'ai envie de te dire. Et je conduis pas trop mal pour une fois, je me suis pas encore pris une voiture. Et là, pile au moment où je vais dire ça, tu veux être sûr que... BAM! La voiture dans la gueule. C'est pour ça, hier, ton live, je le regardais en 360p, parce que je savais très bien que c'était la résolution du jeu. Hein. Oui, c'est pas du tout parce que ta connexion a chié. La peine parce que ta connexion est aussi nulle que si tu habitais au beau milieu de la campagne. Au moment où t'as posé la question, j'ai eu un freeze, Nasband. D'accord, donc je vais arrêter de poser la question. Voilà. Ne parlez plus, ça freeze. Alors, c'est dommage que personne ne voit ma vue parce que là, je suis un petit peu en train de faire des gros vols avec ma voiture. C'est drôle. Oui, bah c'est moi qui fais le live, alors on me voit moi, ok hein. Ah d'accord. Merde. Voilà, donc maintenant je ferai bientôt des lives, voilà. Tug live. Oui, non mais tu sais pas comment faire, c'est ça le souci. Tu sais, il y a des trucs qui s'appellent des tutos, c'est bien ça aussi. Oui, et puis quand tu suis les tutos sur Vegas, t'es pas capable de les suivre. Alors un tuto sur un live, j'y crois pas. Alors non. Règlement de compte ce soir sur GTA, retrouvez-nous. C'est ça. J'adore ma moto qui, quand elle est au maximum, fait un bruit de guêpe qui tournerait autour de ton assiette de merguez. C'est tellement agréable. Aujourd'hui, spécial live clash entre Resus et Nasband. Non, non, mais j'arrête pas de te martyriser à chaque live, hein. C'est même plus spécial là. Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, j'ai décidé que t'étais la victime et puis c'est tout. Ouais. Bien évidemment, c'est pas sérieux les gens, hein. Non, non, je le victimise que hors vidéo. Hein. Quand je le fais en vidéo, c'est pas sérieux. On va faire une intro, il va reprendre le full gamer zone. Et à la fin, il va y avoir Résus, ça va faire victime bolos. Oh merde, c'est celle-là, ouais, je vais peut-être pas y aller seul. Ah, de suite, hein. Tiens, est-ce que tu voudrais monter par hasard? Non, non, vas-y, vas-y, va foutre le bordel, moi je tire depuis là. D'accord. Non, bonjour, excusez-moi. Les mecs, est-ce que vous souvenez la fête? Les mecs, vous savez de comment était ma voiture? On est d'accord, vous savez très bien comment aller. Oui, oui. Vous allez voir comment, quand je vais arriver, à quoi elle ressemble. Enfin, très drôle. Y'a des mecs qui me tirent dessus derrière là ou je rêve? Je vais peut-être me barrer là parce que je me prends des coups, hein, bizarrement. Ouais. Oh, de suite. Genre les mecs ils sont pas contents qu'on vienne leur dire bonjour. Je vais peut-être aller. La mauvaise voix. Je vais aller regen de la vie un peu plus loin, je sais pas pourquoi. Oh, ça y est. Franchement, tout de suite la mauvaise foi là. C'est qui ce mec là qui vient de passer à côté à moto tranquille? Hein? Moi je dis hashtag il manque mes deux portières. Hashtag il manque mes deux portières. Ça devrait être un vrai hashtag sur Twitter, tiens. Hashtag il manque mes deux portières. Partagez. Voilà, et là je vais sur Twitter. Hashtag il manque mes deux portières est le tweet le plus utilisé pour le moment. What? Qu'est-ce qui est du vécu, Keshira? Je sais même plus ce que j'ai dit parce que tu me demandes c'est du vécu, mais qu'est-ce qui est du vécu? Allez, récupérer la cocaïne. Merci le jeu de nous le rappeler toutes les 3 secondes, hein.
On savait pas. C'est un peu con, le jeu te le rappelle. Non, mais c'est des fois que tu te dis, attends, c'était quoi l'objectif déjà? Ah, aller récupérer la cocaïne. Putain, mais merci attends, le jeu. Oublié, c'était quoi déjà? En fait, c'est fait pour des mecs schizophrènes. Voilà. Mais genre schizophrène, mais genre sévère. Hein. Alors, c'est genre le mec, il avance, il a déjà oublié quoi. Waouh. C'est pas ça, c'est Résus, t'arrives quand en fait? Oui, effectivement. Je sais pas, depuis tout à l'heure, je suis dans les montagnes, vous allez voir l'état de ma voiture, vous allez voir à quel point c'est magnifique. Pourquoi t'es passé par les montagnes? Je sais pas. Il y a un mec qui a une crise d'épilepsie chez moi. Il est en train de péter un plomb. D'ailleurs, je viens de capter, on doit voler de la cocaïne et c'est le mec qui l'a amené. Oui. Genre le mec qui a une fusillade, il ramène la coke. Oui. Non mais. Est-ce qu'il est con? Putain, il y a une fusillade, vite, amenons la cocaïne, c'est la fête. On va la ramener en récompense de mission. En récompense de fusillade, je suis sûr ça a super bien marché. Les merguez, non, les merguez, c'est juste une référence au joueur du grenier, c'est pas pareil. Tiens, la cocaïne est là-bas, je vais aller la récupérer, hein, y'a personne qui... Le pire c'est que le mec avait la coke sur sa moto, quand je lui ai rentré dedans, il était en train de me klaxonner en mode « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Non, mais ça va pas de me tirer dessus, oh. Vous pouvez voir à quel point ma voiture va très très bien. Bon, moi j'y retourne, hein, j'ai fini. Mais c'est pas Renard. Hein. Ouais. Oh putain, le vol que t'as pris. Bah, non, c'est fait. Attends, Renard. Oui. Attends, juste deux secondes, je vais te montrer l'état de ma voiture. Non, je ne veux pas. Il te plaît. Non. Je ne peux même pas conduire droit. Je vais ramener la cocaïne et tout va bien. Ma voiture de sport, ça la fout un peu mal. Le pire, c'est qu'aucune roue n'est pétée. Ah. J'ai un peu mal pris le virage. Un peu. Est-ce que tu as besoin d'aide, Nosemond? Non, je vais aller récupérer ma moto, elle est pas loin, ça va. Ouais. D'ailleurs, j'adore, j'ai laissé tomber la cocaïne, hein. Les mecs, ils la laissent par terre et ils s'en vont, hein. Bah oui. C'est oui, bon, on s'en fout de la drogue, notre seul but c'était de la buter, cette connasse. Alors, est-ce que je peux venir avec toi sur ta moto? Parce oui, que regarde si l'état veux. De ma voiture. Vas-y, viens, vite. J'arrive. Dépêche-toi parce que là y'a des gens derrière, vas-y. Voilà ma voiture. Amène-toi du con. Je vais m'aider. Là on nous poursuit, vas-y, monte. Et vas-y, roule ma poule. Oh putain, on va tellement mourir. C'est bon, j'ai plus de vie. Je suis derrière. Il va tellement nous écraser, Renard. Non, il est pas comme toi, lui. Ah ouais, t'es sûr? Alors je vais pas dire, hein, mais la position dans laquelle t'es plus la mienne, ça donne une situation assez bizarre quand même. Ouais, ça va, c'est mâle et femelle s'autoriser. Hein. C'est quand même un peu bizarre. Hein. Ça va, on est des collègues de travail, faut bien se détendre. Pas mort, hein, ah ouais, des collègues de travail, ouais, on dirait vachement, ouais. C'est quoi qui est absolument pas mort? Non, ça va, il a juste pris un vol plané. Non, mais c'est qui est absolument pas mort? J'ai pas vu. Un motard en fait, ah, qui nous a foncé dessus. Moi je suis arrivé derrière, puis rentré dedans. Renard, tu trouves pas que notre position là est un peu bizarre, hein, Nazon et moi? Je sais pas, je vois pas. Vu non, mais j'adore comment le jeu est mal conçu en fait. Là, il y a plus d'ennemis, hein. Là, il y a plus d'ennemis, le jeu il s'en fout. Non, arrête, s'il te plaît. Ça fait péter un plomb à tout le monde, je vais me prendre une voiture. Mais voilà, tu sais bien conduire, t'as fait le rallye. Mais oui, bien sûr. Il y a un mec en moto qui est en train d'essayer de me tirer dessus depuis tout à l'heure, il me poursuit. C'est eux qui poursuivent les gens qui ont la coke et qui en plus sont en moto. Non, non, tiens, si je tirais sur la voiture blindée. Encore, toujours la voiture blindée. Attends, c'est toujours la voiture blindée qui fait chier. Hein. Bah, toujours. Hein, déjà que les mecs ils ont vu une fusillade, ils ont fait tiens, si j'amenais la cocaïne. C'est ça, c'est vrai, c'est très utile. Hein. Tiens, arrête, si non, arrête, là c'est un couloir étroit, il y a plein de voitures. Si tu tires, on va se casser la gueule et mourir. Résus, dans un souffrance. Résus, je vais regarder s'il n'y a pas une commande pour t'éjecter de la moto, hein. Mais non, oui, c'est bon, regarde, ah oui, tout va bien. Il y en a une. Oh, le mec il a volé. Putain, oui, attends, là j'ai un petit menu, tu descends tout en bas et t'as vidé le véhicule personnel. Oula, ça lag. Ouais, ça lag. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, mec? J'ai eu un énorme ralentissement. Ouais, j'ai remarqué, oui. Alors attends, il faut juste que je regarde un petit truc là. Non, c'est pas ça. Ouais, bah super. Hein, GPS, inventaire, masque icône. Non, c'est tout en bas. Ah, ok. Mais genre vraiment? Je veux voir si ça marche vraiment. Arrête, je tire. Arrête. Non, arrête. Non, c'est mais vraiment vers le bas. Je peux pas le foutre. Le 12ème. Voilà, menu interaction, c'est 12. Ça, c'est tout en bas, vrai, presque. Vider véhicule personnel, je peux pas. Ah merde. Bah voilà. Oui, je peux pas le faire descendre. Ah, merci, on a un casque, c'est bon. Merci. What? Mais reviens, espèce d'enfoiré. Revenez là, mon enfoiré. Il se casse. T'es là. Vous allez tellement me payer cher, ça. T'es descendu de toi-même, hein, je suis désolé.
Oh les mecs. On n'a pas vu que t'étais descendu, donc on est parti, hein. Oh les enfoirés. T'es tellement invisible, on t'a pas vu, c'est tout. Ah les mecs. Mais quoi, oh. Tiens, d'ailleurs on va faire le test qu'on voulait, est-ce que si c'est moi qui rentre, ça marche? Non, on avait déjà essayé. Ah, mais je m'en fous, je vais quand même essayer parce que je suis con. Non, parce que j'étais mort là d'ailleurs. On nous tire dessus là. Ah oui, ça marche pas. Non, bon, moi j'y vais en moto comme d'hab. Hein. Allez hop, salut. Bonjour. Hein. Voilà. Ah, toujours la même personne, c'est cool. Ah, oui. On dirait qu'il a grossi, c'est marrant. Et en même temps, il a eu le temps. Et moi j'arrive avec les jambes en, avec les jambes en sang, tu sais, en mode bonjour. J'ai couru à 60 à l'heure pour. Okay, là, j'ai couru à 200 à l'heure pour arriver pour cette cinématique. Respect, s'il vous plaît. Il se fait en flex, hein, ça va. Nickel. Niveau 27, toi bien. J'aurais juste pu marcher pendant au moins 10 ans, mais à part ça, ça mais... va. Non, mais j'adore comment le mec il descend volontairement de la voiture. C'est pas du tout moi qui l'ai foutu dehors, en fait. Non, à peine. En fait, le mec il m'a menacé avec un flingue. Il fait ok, je sors. T'avais un casque, ça aurait rien fait. Ouais, je suis pas sûr là quand même. Bon, du coup, on fait. Non, vol de base, non, hors de question. Hein, non, non, on va éviter. Piégé comme un rat, peut-être. No, hey, bronca. Ok, d'accord. Bon, je sais pas ce que c'est, mais bon, voilà, ça a l'air de. Et là, ça va être pire que. Non, vol de base, ça c'était le pire. Hey, t'as vu, c'est pour 4 joueurs, ça va être facile. Putain. Allez-y, à 3 joueurs, vous allez pas du tout mourir. Hey, regarde, y'a personne. Ah, ou peut-être pas en fait. Ah, en fait, vous avez 5 étoiles hein, dans la base militaire sans véhicule cette fois. Vous êtes content? Voilà. Attends, je mets la scountry hein. Voilà, tout va bien. Eh bien, non, on me donne pas de munitions, ça c'est pas drôle. Non. J'ai 142 000 $. Peut-être que j'aurai 200 000 durant ce live. Peut-être. Peut-être qu'on va faire le. On peut y arriver. Oui, oui, Alilou, j'arrive toujours à loger tous mes japonais hein. Un jour, Marc Aubert vivra ailleurs que dans la rue. On y croit. Non, j'ai un garage. Maintenant, je vis dans mon garage, ok. C'est ça. Et dans son placard à balai, parce que bon, faut pas déconner. Moi, ce que j'adore, c'est un placard à balai. Moi, ce que j'adore, c'est que bon, je vis dans la rue, mais j'ai quand même un portable qui est tout le temps chargé. Hein. C'est ça. Oui, ça bah, cherche pas, hein, c'est la logique. Bon. Ouais, il est là. Allons-y, Razius. Vraiment. Tu dégages, c'est moi qui conduis, enfoiré. Ok, on doit faire quoi ici? Je sais pas, mais je sens qu'avec votre voiture... Oh putain, d'accord, on s'en va. J'ai compris, t'as pas envie de nous, on se barre. Je vais monter? Ouais, peut-être. Allez hop. Ah ouais. Ouais, t'es comme ça toi. Putain, ça commence déjà à tirer, putain, les mecs sont violents quoi. Eh bon, bah on va leur tirer dessus en tour hein. Razius, t'as pas de voiture blindée hein. Ok, ça marche aussi comme ça, pourquoi pas. Oui, voilà, ça marche, hein, sinon. Bonjour, monsieur. Ça va, les mecs? On s'était pas encore rencontrés, hein. Il y en a d'autres qui nous connaissent bien sur d'autres missions. Rapporte la cam. Ouais, super, Geralt, bonjour. Allez, veuillez mourir. Toujours les mêmes, hein, écoute. Enfin, toujours le même. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je sais pas. Bonjour monsieur. Ça ne pas l'idée de se barrer, tu sais, pour essayer de vivre un jour. Non, non, lui, il est mort. Il faut protéger la cam, c'est tout. Allez hop. Il a encore envie, hein. Ah, il... Ouais, bah du coup, t'es re-rentré dans la voiture, il peut rien faire. Ouais, il est en mode, oh non, j'aurais pu le tuer pendant qu'il était dehors. Mais je vais attendre qu'il rentre. Super, on est dans une voiture blindée, amusez-vous bien. Hein. Ça rend toute émission tellement plus simple. Dans une voiture blindée, est-ce que ça compte? Non, on s'en fout de toi. Oh mon dieu! Ça rend toute l'émission tellement plus simple, cette voiture. Je viens tellement de faire un dérapage de la mort, j'ai fait 4. Ah ouais, avec la country là qui donne une ambiance de fou pour une course poursuite. Voilà. Ça le mieux. J'ai très bien faire l'accent, c'est pas mal. Oui, oui, n'est-ce pas? En fait, le pire c'est que je comprends l'anglais, mais ces chanteurs de country ils ont un tel accent, je pige jamais rien à ce qu'ils disent. C'est ça. C'est comme disait le joueur du grenier avec Bubsy, hein, j'ai jamais compris ce qu'il disait non plus, hein, pourtant je parle anglais. Attends, c'est où là? Ah, voilà. Baka TRJ, Baka TRJ souhaite voir votre diffusion. Ouais, bah, il y a le live pour ça. Hein. Les mecs, ils nous tirent dessus. Ça marche pas? Attends. Quoi? Mais pourquoi c'est pas là? Mais on nous tire dessus, c'est pour ça en fait. Bonjour, je suis là. Ah d'accord. C'est lui notre contact. Allez dans le territoire du gang. Ouais.
Ah merde, je peux pas tuer le mec. Renard du 65 a livré le paquet, on devrait peut-être s'en aller, non? Bonjour monsieur. Je suis les gens. On va peut-être s'en aller avant de tous mourir. Ouais. Bon bah moi je vais rentrer dans la voiture, hein, je sais pas pourquoi. Faut devenir aussi. Ah merde, j'ai pas eu le temps de reculer. Oh, tu peux le foutre dehors, hein, au pire. Arrêtez. En plus, ça devait être aussi dehors, notre bande. Non, il peut mettre que Rasius dehors, s'il a envie. Je crois pas, hein. Si, tu m'avais montré la dernière fois. Ouais, bien sûr. Ah, au pire, tu le fous dehors, je me rends vite, et puis c'est bon, hein, on s'en va. Oh là là. Et pourquoi tout ce monde nous en voulait, là, parce que t'as écrasé deux mecs? Ils sont violents, les mecs, hein. Non, en fait, je tire sur tout le monde, moi, perso, donc c'est drôle. Oh putain. Ah d'accord, ça bouge pas, très bien, ok. Bon bah écoutez, excuse-moi. Bonjour. Voilà. Ça, aussi, non, monsieur. Ça, d'ailleurs, ça, j'aime bien parce que ce jeu, c'est le meilleur exemple. Au monde. Oh mon dieu. C'est, vous le voyez très bien, hein, dans toutes les cités du monde, il y aura toujours, tout le monde aura bien sûr un flingue, hein, c'est normal. Oui, bien sûr, évidemment. Bah enfin, oui. Non, la dernière fois, ils nous attaquaient avec des battes de baseball alors qu'on avait la voiture blindée. Ouais, bah attends, oui. Ils essayent des nouvelles stratégies, hein. Ils voient que les flingues, ça marche plus. Attends, on doit faire quoi là? Buter les bagnoles? Qu'est-ce que tu fais lui? Mais putain. T'es con ou quoi? Bah oui, très. Le mec il est sur son vaisseau, c'est quoi ces gros points rouges là? J'aime le concept. Rasius a tué un membre du gang. Ah d'accord, faut tuer les membres en général. Ok. Ouais, bah, en même temps on tire sur tout ce qui bouge. On va tous les tuer. Voilà. Je propose qu'on les tue tous et qu'on détruit les véhicules après. Ouais, voilà. Y'a du monde hein, quand même. Non, non, il faut tuer un membre du gang à chaque fois. Le mec il a 70 ans, il est dans le gang. Attends, y a pas d'âge pour se reconvertir hein. Wesh, pépé, je fais partie du gang. Wesh. Il est où, papy? Ah, mais il est encore parti vendre la drogue. Oh, c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. Il retourne à la maison d'entraide après. C'est la troisième fois cette semaine, franchement. Attends, y'a encore un mec là-bas. C'est derrière le truc bleu. Ah oui, il est là-bas. Ah oui, il est là-bas en train de courir, quel con. Attends, j'y vais. Bon. Non, d'accord. Pour une fois, j'ai dit attends, hein. Encore et toujours la porte, hein, écoute. Voilà. Voilà, tu veux vraiment nickel. Je sais pas comment les rejoindre en fait. Je sais pas du tout. Et on doit faire le tour, je suppose. Ah voilà, oui, on peut par là. Ouais, ouais, et puis il me tire dessus, du coup. Merde. Là. C'est quelqu'un de pas très gentil. Bonjour, comment ça va les mecs? Oh merde. Oula, ça explose, ça explose. Oh, attends, je sais bouger. Sortez-vous. Attends, je vais essayer un truc. Non. On tire, on lance grenade. Oh mon dieu. Ouais, mais il y a des gros points rouges là qui arrivent là, c'est des échos, je crois. Bonjour, vous allez bien? Des échos ou autre chose? Là, renard, Rasius. Attends. Oui. Bonjour. Moi je reste dans voiture blindée, je sais pas pourquoi. Hein. Allez. Renard, tu devrais peut-être revenir. Peut-être, ouais. Bon, on doit y aller du coup. Ah, éliminer les membres du gang qui restent. Ok. J'ai un peu détruit un mec au lance-grenade, mais ça remonte. Va. Merde. T'es mort? Qui? Ah oui. Bonjour, je suis décédé, mais j'arrive. Oh, ça va. On s'en sort. Putain, il est mort, c'est bon, tu peux arrêter. Le mec qui s'acharne sur le cadavre, meurt. Mais moi en fait à chaque fois je le voyais se le relever en fait. Non mais là moi il était en train d'avoir des spasmes par terre en mode je suis mort, c'est bon, tu peux arrêter. C'est bon, tu peux arrêter de tirer dessus s'il vous plaît. J'aimerais pas. Alors celui-là il a pas eu de chance, hein, il a eu Rasius qui arrivait par derrière pour le tirer dessus, puis nous on arrive en bagnole en mode En clair il a rien compris. C'est genre le mec, vous le reconnaissez? Bah je sais pas, il a tellement de plomb dans la gueule que... Et les empreintes dentaires, elles disent quoi? Ça a été remplacé par des balles. Ah, ok. Le mec il avait plus de dents, il avait des balles. Attends, laisse Rasius remonter quand même. Ouais voilà quand même, ah merci. C'est bien parce que Nasband tu n'es pas du tout exposé. Non, rien à voir. Attends, y'a une porte de mon côté, tu la vois juste pas. Bonjour monsieur. Je veux dire, tous vos potes sont morts, vous auriez pas le réflexe de... je sais pas... survivre? Sortir, non. Ok. Non bah c'est bon, il y en a encore un, putain. Mais elle est longue cette mission, la con. J'espère qu'elle rapporte. J'espère aussi, hein. Et elle va rapporter 10 dollars. Il fuit. Poursuivons-le. Une course pour suite. Ah bah voilà. Voilà. Ça y est. Putain, j'ai tiré dessus, ça l'a buté. Ok. C'était... Ah, 15 japonais, ça c'est cool. Et 13 000 dollars. Ouais. Non, sérieux, 13 000 c'est moins que l'autre. Ouais. Mais ça se fout de la gueule du monde. Un peu, je crois, ouais. Attends, on vient de tuer le...
tout un gang et tous les mecs sont en mode ouais, c'était un peu de la merde quand même. Non, hein, mais ça va, vous avez une voiture blindée. Hein, c'était... Je propose qu'on fasse aléatoire. La crue mortelle, elle est bien, c'est bien ça. Et on s'est bien amusé la dernière fois. Est-ce qu'on pourra faire au moins une mission que je voudrais? Oui, si tu veux, la prochaine. Ce serait bien, hein, moi. Lui, il est en mode enfant, on peut faire ça après. Non, laisse faire les grandes personnes. Oh, oh putain, mes radios rap de merde, là, rebelle, voilà, s'il vous plaît. Voilà, remets rebelle, parce que... Country pour la vie, puis c'est tout. Yeah, je vais y aller en moto dans cette mission parce que la dernière fois ça m'a tellement réussi. Donc voilà, maintenant vous le savez. Hein, je... Ami Gérard. Maintenant vous le savez, je suis la chouette Gérard. Mexicaine réunionnaise qui écoute du country. Ouais. C'est tout à fait de normal. D'ailleurs, je viens de voir que OBS a mis un petit truc en haut de mon écran où c'est écrit live. Non, c'est vrai, c'est pas pour ça que je suis démarré OBS. Oui. Quoi? T'as arraché la porte où Résus il a pris. Tout va bien. Le pire c'est que la porte elle est encore debout, c'est genre. Vous normal. N'avez rien vu. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour. Bonjour, excusez-moi, est-ce que c'est ici la fête? Attends, laisse-moi protéger et sortir parce que. Je suis en train de mourir parce que la voiture est complètement explosée. C'est ça, attends, j'aimerais bien sortir de la voie du véhicule. Je propose qu'on se mette comme ça. Moi je les tire depuis en haut là. À ne pas prendre au second degré. Oh oui. Ah moi je les encule depuis en haut, tout va bien Gérard. Non mais mec, tu tires sur un mur là, tu peux t'amuser autant que tu veux, le mur il va pas faire arg et mourir. Hein. Et là tu as le mur, ah il tombe, pardon. Voilà. Reste au c'est sol vrai. Connard. Putain mais arrêtez de vous relever quoi, c'est chiant. Quand même. Ça va, je m'en sors bien de mon côté. Ah merde. Monsieur, j'ai relève-toi. J'ai raté mon crawl. T'as fait quoi? En fait, j'ai voulu déraper avec la voiture pour faire tomber Résus, mais ça a pas marché, ça l'a juste poussé. Ok, d'accord. Ouais. C'est bon, là, on a fini? Ouais, je crois, juste chercher la drogue. Putain, je suis pas mort, dis donc. Et là, attends. Voilà, je l'ai pris. Ah non, c'est toi. Les Zedrioxidi, tu... Pourquoi tu rentres là, espèce de débile de personnage? Parce que je suis un débile de personnage, voyons. Bon. Ah bon, tu es mon personnage, j'étais pas au courant. Bah oui. Mais non, il... Parler ton tu es dans ma tête, donc je suis ton personnage. C'est vrai. C'est qui ce mec là en voiture qui vous suit? Je sais pas. On a fait un petit vol plané là, c'était joli. Moi je cherche à rejoindre la route là, et puis bah, c'est pas un succès. Là. C'est pas grave, on y va. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse à faire les mêmes missions 20 fois. Oui. Tout ça parce que Rockstar est pas foutu de faire un jeu qui est fini. Ah là là. Je mets pas ces lampadaires. C'est ça. Ces lampadaires. Voilà. Prochain live sera un live let's play avec nous trois. Voilà, spoil. On va arracher des lampadaires, voilà. Ces lampadaires étaient mal placés de toute façon pour un... C'est bon. C'est un Asbond, c'est. Oh c'est, mais putain, c'est... les mecs ils arrivent pas à vous rattraper donc du coup ils ont fait bah attends la fille en moto là, c'est pas une de leurs complices. Ouais bon d'accord, on va lui tirer dessus à la place. Naz. Ce serait sympa de faire ça un let's play en live à trois. C'est pas ce qu'on fait déjà là. C'est ça, qu'est-ce que c'est pas vrai. Ben, braquage marche pas, mec. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oui, mais je propose plus un jeu, genre comme si je faisais mon let's play sur DMC, tu vois. Oui, mais tu me trouves un jeu en coop à 3. Oui, c'est ça, et après tu nous appelles. Hein. Voilà. Train. What? J'ai le 2 moi. Hein. Bah oui. Du coup, il faudrait que vous l'achetiez. Bah attends, le 22 décembre, il y aura les promos. Je pourrais peut-être le prendre pour honorer moi. Non, mais sérieux, on gagne de moins en moins. Ouais. C'est mais à la bien. Limite, on peut attendre le 22 décembre, il y aura les promos sur Steam, il sera peut-être en promo, je pourrais le prendre pour Renard et moi. Ouais, super. À la limite. Je sais même pas ce que c'est, ça doit être encore un jeu qui pue. Non, il est bien, Train 2, il est sympa. Joindre l'utile à l'agréable. Mais c'était moi qui devais. Oh. Ok, ben allons-y. Putain, mais j'étais... Sérieux, pourquoi on gagne moins d'argent? Je sais pas. Vous aussi, dans les commentaires du live, proposez des jeux qu'on pourrait faire en coop à 3 en live. Voilà, allez-y. Et là ils vont te proposer Barbie je sais pas quoi. Barbie détective à la plage. Ah ouais cool. Bon bah je vais rester sur Channel X pour une fois qu'il me donne une bonne radio, hein, qui passe du rock, c'est cool. Je suis déçu, c'est pas Gérard. Voilà. Quoi? Là c'est Ron Weasley, je déconne. De quoi tu parles? Celui qui donne la mission, c'est pas Gérard, c'est Ron Weasley. Oh plus. Voilà, et toi, voilà, c'est nul. Voilà. Bon, on peut y aller, hein, pour moi c'est bon. Arrête. En même temps hein.
On est tous très déçus, mais bon. Bah disons que GTA de base est déconseillé aux moins de 16 ans, donc... Ok, t'as entendu ça, Résus? 18 ans, non. C'est pire. Résus, t'as entendu ça? Oui, il chute. Résus, t'as pas l'âge. J'ai payé ça avec mes moyens, avec mes on fric, alors on se calme. Retourne jouer à Dora l'exploratrice, oh. Merde. C'est pas le jeu pour toi. D'ailleurs, ça me saoule, depuis mon portable, je peux pas voir les commentaires, c'est un peu chiant. D'ailleurs, ça. Voilà la preuve. Ah, si hein. C'est bon, je peux voir les commentaires. Résus est un adolescent, hein, il joue à GTA, il tue pas des gens, hein. La preuve, il ne fait que tuer des animaux. Ok, hein, voilà. Ah, d'accord, oui, j'aurais peut-être pas dû aller là tout seul en fait. Voler les motos, oh merde. Non, sérieux, il y a plein d'exemples de gens qui disent train. Ouais, non, mais je vais mourir. Ah, laissez-moi partir. Ah. Voilà. Bon, par contre, Naz, dans les coms, il y a beaucoup de gens qui disent train 2. Oui, je sais. Voilà, beaucoup de gens. Vous monter oui, éventuellement, ouais. Je vais vous laisser ma moto, les mecs, elle est très bien, prenez-la. Merci. Elle est rose, elle est super. Bonjour. Après, si y a autre chose, on dit pas non. Bonjour. Bon, on fait quoi? On va voler directement une moto? On va peut-être les flinguer avant qu'ils nous butent. Pourquoi? Oui, c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être à pied après. Il a eu mal, lui. Oui, un peu, je pense. De toute façon, il nous donne de moins en moins de flic, alors autant finir la mission vite. Hein. Dépose-moi près des motos, Renard. Attends, d'abord, alors, des fois. C'est quoi, j'ai fait un truc très simple. Non, c'est très con ça, Résus. Pas très simple, c'est très con. Tu vas mourir. Non, c'est pas vrai. Et encore là, tu meurs pas parce qu'on te protège, hein, mais autrement. Oh, je veux mourir. Ah, bonjour madame. Je sais pas. Elle était en mode tiens, si je courais au milieu de la fusillade. Mais c'était une bonne idée en fait. Lui, il est planqué derrière une caisse, il se dit tiens, si je me mettais complètement à découvert pour me faire tuer. Ouais, quelle bonne idée aussi. Lui aussi, il s'est dit oh, la bagnole qui s'est prise dans la gueule. Attention aux motos. C'est une bonne idée, ça, voyons. Ouais, non, mais j'ai pas shooté les motos, j'ai shooté les deux mecs. Le mec, il essayait de se relever là. Aïe. Ah, bah là c'est... Putain, mais y'a tellement de monde quoi. J'avais rien vu. Si t'arrives à me poser à côté de la moto en me protégeant avec la bagnole, je la vole et on se casse. Ouais. De toute façon, il va falloir faire plusieurs allers-retours. Allez, j'y vais. Ah, bon, j'essaie de voler un truc, hein. Hop là, livrer les motos à Mushroom Hank. Ouais, bah Mushroom Hank la prochaine fois, hein. Tu vas te les faire Mushroom, hein. Voilà, tout seul. En plus, c'est une moto, c'est une Harley, j'adore les Harley, mais dans ce jeu, c'est à chier, hein. Ça, je peux aussi prendre une moto et puis on se barre, allez. Mais putain! Ah d'accord, d'accord, vous êtes censé me tuer, c'est normal que vous vous soyez mis en travers, alors. D'accord, merci. Je suis mort. Voilà. Les mecs, ils ont foutu la voiture en travers de la route, en mode, hey, tu veux pas te prendre la voiture? Tu serais pas gentil un peu? Alors, fais très gaffe, hein, Résus, si c'est toi qui es sur la moto, là. J'en ai une aussi. D'accord, bah faites très gaffe, les deux. Ouais, j'y vais en vue FPS lourd, ouais. Pour plus d'immersion. Je vais regarder Résus ce qu'il fait. Non, t'es en vue FPS? Non. Non, d'accord, putain. Renard putain. Du 65 a récupéré une moto. Merci de me dire ça. Je l'avais pas vu moi-même. Putain, mais. Pas mal, hein, la route, moi voilà, c'est. Les mecs, ils sont foutus devant moi, du coup. Oui, oui. J'ai remarqué, Naz, moi, c'est. Bah oui. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Ils se sont foutus devant moi, je me suis écrasé contre, ils m'ont flingué. Pour une fois que l'intelligence artificielle est bonne, hein. Moi ça va, j'ai de la chance, hein, perso. Quand l'IA est bonne, bonne, arrête. Bonne, bonne, arrête. On crève arrête. Sur une moto. Oh mon dieu. Moi ça va, je me suis équipé un gilet pare-balles en roulant, hein, c'est normal. Toi, le mec il a mis son gilet pendant qu'il roulait, tout va bien. C'est ça, le mec il a eu le temps de le faire. Et le pire c'est que vous allez devoir y retourner, hein. À pied. Ouais. Voilà, hein. C'est une bonne idée. À moins que le jeu ait l'amabilité de vous filer une voiture, ou alors il fallait juste en livrer une. Je sais pas. Ah non, non. Vous allez devoir continuer. Ouais. C'est ça. Est-ce que j'ai envie de le tuer, lui? Non, mais du coup, tu peux pas... Elle a intérêt à rapporter cette mission. Ah? Elle a intérêt à rapporter cette mission. Du coup, tu peux pas reprendre la même moto? Attends, je peux peut-être demander mon véhicule personnel. Le jeu qui assume que t'as un véhicule personnel, quoi. C'est bien. Ou peut-être oh oui, je peux. Je peux demander mon véhicule. Attends, ce qu'on peut faire, c'est que je rappelle ma voiture blindée et je te protège. Voilà. Donc toi, tu les motos. Ah non, c'est bon. Ah. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon. Ok. Oui, écoute. C'est drôle. 15 japonais. Ouais, ok, ça va. Et mais bon. Pas beaucoup de thunes. Bon, c'est déjà mieux que la dernière qui a rapporté 5000 là. Hein. Ouais. J'aime pas. Voilà.
Moi non plus. Voilà. Bon, j'ai mis j'aime parce que je sais pas comment faire j'aime pas, mais. Voilà. Pas c'est moi qui choisis de la mission. Voilà. Et le bureaucratie, on l'avait pas fait aussi. On va faire un soupçon de coke, pourquoi pas. Un soupçon de coke, ouais, super. Ouais. Un soupçon de coke dans ta méthamphétamine. Là, Gérard. Gérard et Michel. T'as quoi avec Gérard? C'est Martin, c'est pas Gérard. Je suis déçu encore une fois. Ouais, attends, c'est dommage, hein. Putain, mais laissez-moi la radio rebelle là. Oh, ouais, je veux la country. Ouais, j'ai mis Los Santos Rock Radio. Voilà, ça ira très bien. Est-ce que tu trouves ça dommage que ce soit pas. C'est cool parce que les gens découvrent absolument ce que j'aime écouter hein, avec GTA. Il y a que deux radios que j'écoute en fait, le rock et la country, c'est bon point. Voilà. Hashtag copyright. Et de temps en temps, j'arrive sur une autre radio où ça diffuse une musique que j'aime bien, mais toutes les autres musiques sont de la merde. Voilà. Là. Détruisez les bétonnières, ça va? Tout va bien? Putain, qu'est-ce que c'est cette mission nulle? Bon, il y a déjà un garde là que je vais flinguer à distance, voilà. Voilà, et puis me casser parce que je vais mourir. Voilà. Ouais, carrément. T'es avec nous? Ouais, éventuellement, si tu pouvais revenir en arrière. Ouais. Attends, déjà, je fais danser cet homme. Voilà, merci. Bonne danse et bonne journée. Voilà, j'ai mis mon casque, tout va bien. Ouais, c'est dommage, j'ai pas de grenade. Hein. Regarde, j'ai mon casque. Tout va bien aller. J'ai craché. T'as craché? Ouais. Ah merde, ouais, du coup, je peux pas rentrer. Putain, fais chier, c'est pas vrai. Bon, bah, Résus, il va falloir s'en sortir sans renard. Attends, je reste loin, j'ai un snipe, t'inquiète. Ok. Voilà, je suis complètement planté. Les mecs, ça leur dirait pas un jour de faire des mises à jour? Non? Au lieu de sortir des modes de jeu à la con que tout le monde s'en branle? Voilà. Ah. Ah, mais bon, il y aura toujours des gens pour dire, mais c'est ton PC, renard, voyons. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'avant, le jeu tournait très bien. Voilà. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Ah, on aime bien avoir des problèmes en plein live, hein. Donc là, je vais attendre 20 minutes, il va me dire, hey. Au fait, c'est moi ou les mecs qui respawnent là? Les mecs sont derrière les murs en fait. Non, non, les mecs qui respawnent, hein, je suis désolé. Quand je leur fais des headshots là, c'est magnifique. J'en prends de ta voiture, hein. Vas-y, oui, vas-y. Oui. Non, mais vous ne pouvez pas utiliser ce véhicule personnel qui appartient à Résus. Ah, tout d'un coup ça lui appartient, hein. Avant je pouvais voler comme je voulais, mais maintenant. Oui, j'ai trouvé l'option. Ah, fais chier. Ah bon, tu kiffes. Ouais, du coup, je vais crever comme une merde. Hein. GTA 5 a cessé de fonctionner. Non, c'est vrai. Bon, je vais y aller à pied en mode je risque ma vie. Hein. Oui, bah bonne chance. En mode je vais mourir surtout. En mode suicide total, tu sais. Non, mais le seul truc qui nous permet de survivre en général, c'est la voiture blindée. Donc. Bah voilà, je suis mort. J'ai fait 3 pas à l'intérieur, je suis mort. Mais quelle surprise. En fait, sans la voiture blindée, t'es. Non, tu peux pas, y a pas moyen. Bon, je vais peut-être prendre le fusil à pompe, ça va peut-être aider. J'sais impossible pas. De démarrer le jeu, déjà en cours d'exécution. Tu foutrais pas un peu de ma gueule par hasard? Bah oui, il est encore en cours d'exécution, c'est logique. Regarde voir si t'as pas un processus GTA qui tourne. Bah, je viendrai essayer, du coup il s'est lancé. Il s'est dit, ah non, finalement, oui, c'est vrai, tu peux le lancer. Si tu veux. Très pratique cet angle de tir que j'ai là. Mais qui derrière. Derrière un mur à deux balles, t'es. Non, mais c'est un mur double, hein. Déjà, les mecs arrivent à me tirer dessus c'est à travers quoi, le ces mur. Mecs non, mais les mecs, ils sont entraînés où là? Parce que. T'es mort aussi? Le mec, il a même pas besoin de regarder dans le viseur, hein. Il regarde à peine dans le viseur, le mec, c'est bon, il me défonce en headshot. T'es mort? Non, pas encore, non. Ouais. J'ai pas envie. Ça fait mal, quoi. J'ai pas envie. Ah! Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Il y a une voiture blindée qui m'attend là, mais si j'essaie de rentrer dedans, je suis sûr que ça va me dire que je peux pas y aller, elle est fermée. Ok. Voilà. Si je défonce la porte, je peux rentrer dedans. Et là ça va dire, ah ben non, c'est fermé, voyons. Je vais essayer de prendre une autre voiture à la con, hein, rentrer dans la portière jusqu'à ce qu'elle se défonce. Là. Ce qu'il faut pas mais faire. Mais mon personnage qui est en train de boire un soda alors qu'on est en train de faire une grosse bataille de la mort. Ce qu'il faut pas faire pour la science quand même. Mais arrêtez de me tirer dessus, j'essaie de défoncer une porte. Oh. Bon, je tué. Exactement. C'est bien qu'on est toujours là pour te soutenir, Résus. À court de vie. Tu bon, peux renard, je te réinvite. D'accord, j'étais à 5 à cesser de fonctionner. Tu te fous de ma gueule, le jeu, ou... Oui, mais bon, de toute façon, dans 10 minutes, on a fini, hein, donc... Ouais, bon, alors ça va, je peux le redémarrer. Mais réessaye une fois. Oui, à la limite. J'adore Résus qui est en mode campeur, là. Allez, hop. C'est vrai. Et au moins, je tue tout le monde. Renard du 65, c'est déconnecté. Putain, il sait pas ce qu'il se veut, ce mec, hein.
Ah ouais, ouais, t'as vu, des fois il se connecte, des fois il se déconnecte, il est un peu con quand même. C'est vraiment un gros connard, ouais, j'avoue, il y a des petits problèmes, hein. Je sais pas qui c'est ce renard, mais il squatte à chaque fois dans toutes les vidéos, quoi. Et à chaque fois en plus, hein. Putain, putain. Mais... chiant. Hallucinant, quoi. Franchement, il y a de ces gens, ils ont aucune manière. Ouais, comment tu fais pour tirer à travers les murs? C'est du bois, ça marche. Mais comment tu fais pour voir les personnages derrière les murs? Il y avait un trou, en fait. Ouais. J'aime mes excuses. I'm gonna kill you. Le mec il est pas du tout dérangé dans sa tête. On va avoir problème tête. Ah, ça. Je peux mettre de la musique. Allez, je vais mettre la country pendant que Résus est en train de tuer tout le monde. Le mec, tu sais, il regarde son pote qui est en train de se faire tirer dessus avec son soda dans la bagnole en écoutant de la country, tu sais. Non, non, je suis en mode spectateur là, je suis mort. Ah d'accord. Mais oui, je suis seul encore en vie. Je peux mettre la radio en fait, je sais pas pourquoi. Mais il s'en sort bien mec, là pour l'instant, Oasis. Le mec il est mort, tu sais, il écoute la radio dans les paradis. Ah, d'accord. Regarder son pote. La caméra s'est enfin placée d'une manière cool où je peux voir ce que tu fais, hein. Il est plus à 10 mètres au-dessus de toi. Ah oui, non, ça c'est tellement inutile. Il est où l'autre? Là-bas. Et sinon, je sais pas si t'as vu, mais l'objectif c'est de détruiser les bétonnières, hein, comme le jeu le laisse bien en bas de l'écran tout le long de la mission. Bah, laisse-moi d'abord tuer les ennemis et après on verra. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils respawnent. Eh non. Renard, t'es là ou pas? Je suis en train de se lancer. Allez, on y croit, GTA, tu peux le faire, tu peux te lancer. Dor, je viens de voir, il te demande un compte en ligne de 13 ans minimum. Le jeu est à partir de 18 ans, pourquoi vous demandez 13 ans pour le jeu? Parce qu'ils savent très bien ce que c'est le public cible pour ce jeu. Ah oui. Sans déconner. Tu sais, ils sont pas cons, hein. C'est les mecs. Non, c'est un jeu 18 ans et plus. Ouais, non, sinon tu peux venir en partir de 13 ans, hein. Vas-y. Non, y a c'est un peu comme les boutons j'accepte sur les sites de cul, tu sais. Dis à tes parents que tu joues à Bisounours, tu vas voir. C'est Bisounours au pays des putes et de la drogue maintenant, c'est normal. Comment ça, un jeu Bisounours 60 balles, mais non, c'est normal. Ouais, tu peux détruire la bétonnière devant toi, hein. Oui, et j'ai détruit avec quoi? Mais je sais pas, t'as pas de l'explosif? Non, j'ai rien. Putain, non, on est censé faire comment alors? J'explose les roues, ça va? Je suis pas sûr. Il m'a dit de demander de détruire la bétonnière, mais vu que j'avais rien, bah j'ai crevé les roues. Voilà. Ils pourront plus jamais les utiliser. Ah non, mais les pneus ils sont morts, hein. Et puis ça coûte cher les pneus. Bon, tu veux pas mourir là, s'il te plaît? Ça sert plus à rien. Je tiendrai jusqu'au bout. Et surtout que là, il y a un mec qui s'excite à l'harmonica là sur la station country, je dis pas. Action épique. Oh mon dieu. Il te reste pas beaucoup de vie, hein. Mais si, regarde. Non, mais c'est de la bonne zik en plus qui passe là. Je suis en train de frapper des gens innocents en solo. Ah t'es voilà. Ah d'accord, je t'invite. Voilà, j'ai regagné ma vie. Ah putain, mais cette zik de country elle est franchement trop bien. Meurs pas tout de suite, je voulais écouter jusqu'au bout. Tu sais la dernière fois qu'on disait que dans les premiers GTA c'était très con d'entendre la radio des flics alors qu'ils étaient pas dans la bagnole. En mode solo aussi ça le fait, je viens d'entendre la radio des flics. D'accord. Vous m'expliquez d'où? Ouais, on croyait qu'ils avaient corrigé mais non. Chaîne, faudrait peut-être arrêter, non? On peut peut-être arrêter les incohérences. Ouais, en même temps, le nombre d'incohérences, hein, tu te prends 3 balles dans le cul, t'es toujours pas mort, excuse-moi, mais... Ah. Et le pire, c'est que juste après la radio, le black, il a fait « Oh, shit !» Genre le mec, il entend la radio dans sa tête, tu sais. Putain, les flics me poursuivent. Je t'ai invité, en fait, hein. Oui, j'ai vu. Mais sinon, y a pas genre, comme dans GTA San Andreas, le réservoir, tu peux tirer dedans, ça fait péter à bagnole. Attends, non, voilà, oui. À travers la fenêtre, il est mort. Putain, sinon, mais arrête de tuer des gens, ça sert à rien, il faut exploser les bétonnières. Tu peux réinviter le jeu à ignorer. Bah, disons que ça sert à rien si quelqu'un me tire dessus en fait. Ah non, peut-être pas en fait. C'est bon, il a ignoré ou pas? Je sais pas, il met 30 ans à l'apprendre ou pas, là il fait. Je te réinvite. Il a l'air de charger. En invitation envoyée à Renard du 65, voilà. Ah, ça y est, c'est dit que finalement. Peut-être y aller. Ah ouais, non, mais je te jure, quand t'arrives bien, tu seras en spectateur, tu mettras la country, tu verras comment c'est trop bien, Stozy. Tu sais, tu concentres avec ta country, tu sais. D'ailleurs, comment j'ai fait pour changer de station radio? Pourquoi j'ai pu changer de station radio alors que maintenant ça me met juste les filtres à la con?
C'est qui souffle dans son micro là? Bonheur. Non mais Résus, on se fait chier la crève, qu'on puisse en commencer une autre. Mais suicide-toi. Je peux le faire, j'ai trouvé un moyen de détruire. Mais tu peux pas, y'a pas d'explosif, t'en as pas. D'ailleurs attends, c'est complètement con aussi le jeu qui assume que t'as des explosifs. C'est ça. Et attends, j'ai peut-être trouvé un moyen. Puis c'est quoi le problème avec ces bétonnières? Ça les emmerdait ou... Allez, je suis sûr que je peux le détruire en faisant ça, allez. Regarde voir s'il y a pas un réservoir que tu peux tirer dedans dans Sandra, s'il y avait ça, je suis sûr la qu'ils ont... La mission s'appelle un soupçon de coke, il faut détruire des bétonnières. D'accord. Non mais c'était écrit un soupçon de bétonnière en fait, t'avais pas vu. Un soupçon de ciment. Ouais, y'a pas un endroit où je peux tirer là, sérieux? Ah attends, si, regarde, ça fume. Ah ouais? Oui, elle fume. Ah oui, regarde, elle fume. Ah ouais, c'est bon. Casse-toi avant de mourir. Oui. Putain, mais vu le temps que tu prends pour la faire cette mission, je vais dire, elle a intérêt à rapporter beaucoup, mais je suis sûr qu'elle rapporte rien. Waouh, j'ai réussi à le faire tout seul. T'es là, renard, ou pas? Oui, je suis en train de regarder. Putain, mais il s'en sort bien, le con, en plus, c'est ça le pire. T'as vu? Je vais mourir comme une mais merde. Mais ça n'empêchera pas que je vais continuer à te victimiser, hein, attends. T'es le meilleur joueur sur GTA, mais t'es quand même la victime, hein. Bah oui. Mais là tu vas mourir. En même temps, j'ai pas pu faire grand chose vu que j'ai craché. D'accord. Bon. Ah bah voilà, ça c'est fait. Putain, le faceplant par terre. C'était la merde. T'as perdu, zéro japonais pour toi. Oh merde. Oh purée, 4000$ sans avoir gagné. Moi qui voulais les japonais. Sur le sol. Bon, mais moi au moins je suis pas mort dès le début. On va peut-être en refaire une. Mais moi je suis pas mort, j'ai craché, c'est pas pareil. Moi j'ai résisté à l'envahisseur. Ouais, à l'envahisseur, t'es marrant toi, non? C'est quoi ça, Death Metal? Bon, tu connais la caisse de Roger? Ouais, bon, super. Encore une mission ultra intéressante. Ah oui, ouais. On l'avait fait avec la caisse de Roger. Mais oui. Ouais, ça va être très intéressant comme mission, hein. Bah attends, oui, laisse-moi juste me mettre sur la country, tout. Hein, parce que, voilà. Margot Père se venge devant... avec ses sons, comment il s'appelle? Bon, bah je sais pas, merde. Voilà. Ah bah mais c'est moi qui suis l'hôte du salon, tout va bien. C'est ça. Tout va bien, on va tous mourir. Oui, bah oui. Attends, j'ai mis hard. J'ai un doute. Mais vu imposé FPS. Non, je suis en normal. Tiens. Ouais. Oh. C'est drôle. Vu imposé? Non. Ouais, en FPS. Allez, vas-y. Non, on va te faire foutre. C'est impossible. Mais si. Parce que je l'avais fait sur une course avec Résus. Hein, Je tiens à dire que la mission est quand même de Gérard. Hein. Nous retrouvons notre ami Gérard. Qu'est-ce que t'as après avec Gérard? Mais va coucher avec lui si j'aime tant que ça. C'est ça, après Marc Gobert et Larry, voici Gérard. Mais oh, mais il fait quoi ta voiture là? Elle s'accouple avec ma moto? Oui. Puis moi je... la voiture. Oh mais t'as pas mon dieu. Il y a 2-3 rayures à l'arrière de ta voiture. Hein. La physique de ce jeu, sérieusement. Putain, mais c'est rayures à l'avant aussi. J'ai peut-être pas envie d'y aller, hein. Excusez-moi, est-ce que c'est ici la casse de Roger? Apparemment, oui. Mais je vous ai rien fait, moi, pourquoi vous me tirez dessus? Mais putain, Résus! Désolé, pas fait exprès. Mais pas fait exprès, bien sûr. Oui, c'était pas du tout intentionnel. Je vais y croire tout à fait. Les voilà. Mecs, je leur ai roulé dessus, et ils ont dit tous au même moment, en même temps, c'était complètement synchronisé. Oh shit! Normal, ils sont de la même famille, lol. Oh. Bah oui, la consanguinité, tout ça. C'est ça. Tiens, ça voilà. Arrête. Tu devras perdre ton pare-choc pour cette blague nulle. Tu veux qu'on meure, c'est ça? Non, mais que moi, tu... j'aimerais savoir une chose. Pourquoi est-ce qu'on tue que des blacks depuis le début du jeu? Oh putain. J'aimerais quand même le savoir, hein. Eh, mais bon, si tu remets la vieille carte du racisme dans GTA... Oui, voilà. Effectivement. J'ai à peine retourné un 4x4 avec ma voiture, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai la coke, vite! Allons dans une voiture paye tout blindée! Bah oui. Non mais, tu fais quoi là? Tu t'amuses? Je vais me barrer en moto, moi, hein, je vous attends là-bas, les mecs. Ma voiture en fait, c'est ça? Je vous attends là-bas, les mecs. Non mais il conduit trop mal là, franchement, on n'est pas encore sorti. Hein. Ouais, c'est vraiment. Tu l'aides pas à conduire trop mal, hein, des fois que. Non, bah non, je l'aide à sortir parce que là il sait vraiment pas conduire et ça me déprime. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, tu vois, maintenant il a réussi à sortir parce que si je l'avais pas aidé, bah il serait encore en train de faire une roue pétée à cause de toi, voyons. Oh. Ah, bah tu vois. Attends, je vais t'aider. Arrête, renard. C'est déjà assez long, c'est une mission de merde. Mais arrête, oh. Je propose de faire autre chose de plus intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Voilà, je me mets en moto devant l'appartement de Gérald, hein. Ah c'est bon, là on peut y aller, allez.
Ça va, moi je suis déjà là. Hein. Non, mais il allait dans son appartement comme ça. Le bus, il a des pneus à l'épreuve des balles, sans déconner. Bon, vous venez. Oui, il arrive en bus, pourquoi? Bah oui, c'est logique. Mais il arrive vraiment en bus, ce con. Moi je dis lui crever les pneus, mais ça marche pas, le bus. Bonjour. Bonjour. Ah, les arrêts de bus, c'est proche, dis donc. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, s'il vous plaît, on peut finir la mission là. Dégage, on a. C'est ma rue. La rue est assez grande pour seulement un de nous deux. Bon, Résus, tu viens livrer cette canne de merde. Tu veux. Allez, salut, renard. Pourquoi je le tuerais? Bon, allez, on en fait encore une dernière après, puis fini. Hein. Ah, tiens, renard, t'as réussi à venir. Bah oui, voyons. À travers le. Moi, j'étais déjà là depuis 10 minutes, hein, mais tout va bien. Hein. Moi, moi, je suis en mode derrière, non, mais je les connais pas, en fait. Hein. C'est ça. Le, oh mon dieu, qu'un le mec il a un bus qui est coincé devant la porte de chez lui, mais il s'en fout. Non mais ça va, il a eu sa coke, tout va bien. C'est ça. Ça va, vas-y, il croit qu'il a encore une hallucination due à ça. Voilà. Encore un truc bizarre genre, encore avec une mission rose, qui nous rapporte rien d'ailleurs, hein, 5000$. Ah, d'accord. Je sais pas, Exa saute, ça a l'air bien. Bon, bah, okay. Ouais, non, Exa saute, c'est le truc avec les soldats, tu sais, qu'on s'était fait défoncer. Ah non, c'est bon. C'était avec les hélicos à piquer ou à détruire, je sais plus. Docteur Ben qui dit ou une coop sur Warframe, mais je sais pas si ça va les intéresser. Ça va les intéresser eux, pas moi. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a quelqu'un qui voudrait faire une coop sur Warframe, pardon. Bah, le problème en fait avec Warframe, c'est que ce serait cool, oui, mais vu le niveau de Renard et moi, ça va être compliqué. Pourquoi? Bah, je veux dire, tu veux qu'on fasse quoi notre level? Oui, bon, c'est vrai qu'on est un peu au level, mais bon. Bah, oui. On est un peu au level, on n'a pas du tout presque toutes les armes du jeu. C'est faux. Non, mais ça, le problème, c'est qu'à la limite, on pourrait peut-être se créer un autre compte et faire un truc avec. Non, avec... non, vraiment la flemme là de recommencer un perso là, vraiment. Bah, moi, ça me dérangerait pas si jamais Nasband veut se remettre au jeu, on se recrée un compte. Est-ce que tu as des rêves bizarres aussi? Non, merci. Non, mais. Pourquoi y'a ces mecs là? Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est notre zone! Mais bourré! Non mais oh! En plus il a une. Il a survécu l'autre, attendez! Tuez-le, il a survécu! Monsieur! Monsieur, revenez! Monsieur! Ah, il a descendu en bas, il a dévalé en bas de la falaise. Non, il est là! Non, il est là! C'est bon, je crois qu'il a son compte. Il nous a vu apparaître mystérieusement, il doit mourir. Non mais hé, c'est notre zone d'apparition, il doit y avoir personne, c'est tout. Il y a des mecs trop violents, mon dieu, des gens. Tu es vite. Oh mon dieu, on est dangereux. Non, pas du tout. Mais arrête de prendre la voiture. Mais arrête, t'as rien fait ma moitié. Bon, moi je vais aller faire la mission éventuellement. T'as rien fait ma moitié. Pourquoi vous m'en voulez déjà? Je vous ai pas encore approché, hein. Bon, là je vous ai tiré dessus, ok. Ah, mais sérieux, t'as rien fait ma bagnole. Bah, si, voyons. Bon, elle a insulté ta mère. Y'a une moto là. Voilà, y'avait une moto. Elle a. Mais arrête de te relever, monsieur. Oh. Mais franchement, t'as pas honte? À ton âge. Oh. J'ai eu mieux. Pourquoi t'as imité le cheval là? Ah. Non. Merde, y'a un mec là. T'es en train de me tuer, espèce de débile. J'ai plus de vie à cause de toi, mais t'es sérieux? Mais attends, je suis en train de pousser ta voiture. Tu vas pas me dire que ça te fait. Du coup, les gens me tuent. Je suis pas dans une voiture blindée, moi. Mais il est débile ce mec! Je crois que c'est pourquoi je tire à distance depuis ma moto, moi. Pourquoi je sens que je vais balancer une grenade bientôt? Non, tu vas détruire le camion qu'on doit voler encore. Ouais, bah je vais aller le voler hein, pendant que vous faites de la merde. Oh, ça y est! De suite la mauvaise voix. C'est quoi qu'on doit voler? C'est quoi cette explosion? C'est voilà. Ce fourgon là? Ok. Ouais, il l'a bon. Volé déjà. Bah, je vais déjà aller au point en jaune, moi, parce que. Ouais. Je vais pas en protéger Résus, hein. Résus, il va passer vite là, mais bouge. Bon, arrête de troller, s'il te plaît, renard.
Bon, moi je propose que je passe par là. Hein. Voilà. Moi, je propose et en que VFPS. Je là. En VFPS. Ça a l'air bien. Bien sûr. J'aime pas ça voilà. Travers champ. Ah oui, en VFPS en plus c'est drôle. Ah ouais. Oh putain. T'es en VFPS là, là. Pas du tout. Oh putain, mais tu vas où? Mais tu vas où? Tu te plantes, Résus là. Non, il y a un raccourci. Non, non, là tu Ah, mais c'est vrai en plus. Ah oui. Non, t'es pas en. Attends. Non, mais. C'est sérieux? Sur tes culs. C'est un miracle. Merde. Voilà, merde, et c'est comme merde. Ça qu'on rejoint la route en Amérique. Exactement. Et c'est comme ça qu'on rejoignit la route 66. En Amérique, ils font comme ça, les gens. C'est à peine dangereux. Voilà, et j'appuie sur A pour avoir bien évidemment ne rien. Bon, mais putain! Bonjour! Je vois pas devant moi, hein. J'appuie sur A, du coup, mon perso se baisse. C'est drôle, oui. De rajouter de la difficulté. Non, mais tu sais, c'est pour éviter de prendre trop de dégâts de se baisser. Oui, oui. Mais je vois rien aussi. Oui, mais ça, c'est parce que t'es con, ça, c'est pas pareil. Ça, je vais te demander de te baisser comme un débile. Aïe! Et les mecs sont encore en train de tirer sur la voiture blindée, hein. C'est vrai qu'il y a pas mieux. Ils tirent aussi sur la miss qui est par terre sans défense et qui vient de mourir. Voilà. Moi j'avais deux mecs qui me collaient, qui étaient en train de tourner sur ma voiture, tu sais, il était en train de rayer ma portière pour me tirer dessus quand même. Ah, il est possible que j'aie pété les pneus de Résus. Moi ce que j'aimerais savoir c'est comment ils ont la preuve que c'est que toi tu faisais partie du gang, oui, en fait. Ça, et bah, peut-être que je leur ai tiré dessus en fait. C'est peut-être oui, ça. Mais techniquement ceux sur qui t'as tiré dessus ils sont déjà morts. Ouais, en fait si ça se trouve c'est juste un innocent mentard qui passait par là, hein. Ça. Puis eux ils sont en mode ça doit être une du gang. Mais non, je rentre du boulot. Je venais livrer mes pizzas. Rien fait. C'est un ennemi ça ou c'est juste un civil qui passait par là? Je vois que Renard est en mode troll à mort là. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Renard? Ça va, et toi? Vous avez besoin d'aide, peut-être? Bon, laisse-tu finir sa mission, s'il te plaît. Très bien, effectivement. Bon, j'espère qu'il fallait pas le livrer en état, hein, là. Va plus vite! Mais tu vas arrêter, oui! Mais putain, mais laisse-le livrer! Il s'est pas livré. Mais tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Mais arrête! Mais tu vas arrêter, oui! Laisse pas finir mon travail, Roger! Mais dégage! Mon dieu, Roger, tu es en train de mourir! Laisse-moi t'aider, Roger! Tu sais, Résus, c'est une voiture blindée! C'est ce qu'on répète tout le temps aux criminels! Roger, tu es en train de mourir, laisse-moi t'aider! Ah ouais, vachement, ouais! J'ai vachement besoin de ton aide! T'inquiète pas, je suis là pour t'aider! Comment il se réfugie dans le fourgon, quoi? J'ai un peu d'arracher une portière, ça va. Mais non, mais là, le fourgon va mourir si tu continues, Renard. Hein. Oh putain, bon allez, vas-y, ramène ta merde, là. T'es sûr, hein. Ramène-le. Résus, vas-y. J'attends que tu me pousses. Vas-y, pousse-moi à l'objectif. Je sais pas si c'est possible. Attends, on va voir. Le café, ça va être drôle. Mais, putain, le moteur est le pire, c'est qu'ils essayent. Bande de bras cassés. C'est drôle, j'ai plus de moteur en fait. Non, je déconne, mais c'est drôle quand même. Eh, mais là, il commence à fumer noir, hein, le fourgon. Ah bon? Ouais. Non, non. Quoi? Non, mais t'as vu l'avant du fourgon, par contre, à quoi il ressemble? Non, mais bah très bien, voyons. Eh oui. En fait, y a Renard, il joue à Rocket League là, en ce moment même. Ramener le ballon dans le goal. Le convoi de l'extrême. C'est ça. Je sais pas du tout où c'est en plus. Bonsoir Mister Baker 7401. C'est un score voilà. Que t'as fait sur un jeu ou quoi? Oh mon... Mais attends, tu l'as amené où ton truc là? Dans un garage pareil. Attends, c'est pas... C'est là? Attends, je vais réussir. Mais non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Mais non, c'était derrière. Ah non, mais c'est dans ce garage, ouais, c'est là. Bah vas-y, faut que tu m'y amènes. Objectif pour cette soirée. Putain, ça va être tellement dur. Non mais attends, s'il te plaît, là j'aimerais arrêter le live. Ah mais nous on va faire du real live, hein, vas-y. Non, ben moi je vais l'arrêter le live là, hein. Donc voilà. On ne saura jamais la fin de cette vidéo parce que je joue avec deux cons, hein. Ici, regarde, il y arrive, il va y arriver, il va réussir d'exploser. On peut le faire. C'est débile. Tu peux aussi diriger le van dans le garage.
crois en nous, Margobert, crois en nous. Non, je vais juste rester pour voir s'ils y arrivent, c'est con. Oh mon dieu. Oui. C'est magnifique. Oh, quelle surprise, il est tellement en bon état. Tiens, on a reçu 15... Quelle surprise, il rentre. Putain, il rentre elle rapporte en plus. Bon, je veux juste retourner en mode libre là pour aller foutre mon argent à la banque. Ouais, ouais. Le mec qui nous a payé 14 000 qui est en mode putain, je rends pitié Dieu, là, vraiment là. Ils sont tellement cons les mecs. En même temps, en vrai, vu l'état de son avant, il avait vraiment plus de moteur là. Oui, c'est clair. C'est impossible de rouler avec un truc comme ça. J'avoue que là. Bon bah du coup, mode libre, je veux juste aller foutre mon argent en banque là, puis on va s'arrêter là. Putain de merde. C'était très drôle. C'était débile. Mais ce live n'a servi à rien, hein. De bout en bout. C'est vrai. Mais tu crois qu'un live ça sert à quelque chose de base? Utiliser un distributeur pour mettre votre argent en banque, pourquoi je ferais ça? J'ai téléphone. Bah oui, voyons. Ouais. Bon, qui c'est qui veut se faire 9 000 $ là en me tuant? Vas-y, ah bah, passe. Honneur. Ok, bah le premier qui arrive et qui me tue, il aura la prime. Ah ouais? Ouais. Déjà, je mets 70 000 dans le compte. Moi aussi. Voilà. Voilà, j'ai 193 000 dollars, putain. Quelle richesse. On y est presque. Je sais qui est à côté de moi, mais. C'est pas moi. Ah bah. Ne me tire pas dessus. Non, c'est moi j'ai qui ai la prime. J'ai encore mon argent sur moi, s'il te plaît. De quoi? C'est moi qui ai la prime, il faut pas lui tirer dessus à lui. Ah, bien. Il est où alors, du coup? C'est pas de se prendre. Oh putain, mais t'es à l'autre bout. Bah oui, ils m'ont foutu, je sais pas où. Bah allons-y, on veut la prime. Non mais, ça va, mec? Non mais attends, je volais ta voiture, pourquoi tu me tapes dessus? On se le demande. Ah ouais, du coup, quand je sors le fusil à pompe, hein? On fuit. Ouais. Pourquoi j'ai deux étoiles? C'est lui qui me tirait dessus, monsieur l'agent! Non mais sérieux? Ouais, ouais, turn off the engine, comme ça quand je sors, vous allez me tirer dessus, bande de cons, va. C'est ça. Je pense qu'on a écrit nasement dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ça, allez, allons-y. Ouais, mais non, mais là, les flics vont s'en charger avant, hein. Non, arrête-toi. Non. Arrête-toi. Je t'en pousse ce cascade. Ah, mais... Sérieux? Enfin, comment? D'accord, et en plus il y a une moto qui m'écrase. GTA tout entier ne t'aime pas, voilà. Ouais. Là c'est clair et net, il faut le dire. Oh j'ai putain, oh, joli. Oh, ah si. Putain, je m'y attendais tellement pas. Oh purée. Oh joli ici. C'était tellement le meilleur tir du monde. Oh, bah, du coup, moi j'étais en train de rouler. Non, mais j'ai tout mon argent sur moi, mec, sérieux, fais pas ça. J'étais en train de rouler tranquille et puis tout d'un coup, je poum! Gentil, mets ton argent à la banque, allez. Ouais, en plus, attends, Renard, viens me chercher, je t'aide. Renard, viens me chercher, je t'aide. Vite. Mets ton argent à la banque. Sérieux, mais non. Mais tu déconnes. Renard, viens me chercher. T'es pas sérieux? Ouais, j'arrive. Mais t'es un enfoiré. Mais t'as eu 9 000 $ en même temps, t'as rien perdu, hein. Mais si, j'avais encore mon argent sur moi. Oh, t'as les flics. T'as perdu, c'est bon. T'as les flics? Amusons-nous avec les flics alors. Bonjour. Ouais. Bonjour monsieur. À l'endroit de ma mort, il doit y avoir les billets. Quoi? Vous nous tirez dessus alors qu'on a une voiture blindée? Vous êtes pas un peu con des fois que? En fait, ce que je m'en fous, c'était magnifique ce que j'ai fait. Allez, on va faire péter la voiture. Attends, est-ce qu'il y a pas d'autres flics plus intéressants là? Du genre. Son of a bitch. Flic qui pète des blondes. Ils sont où là? Ils nous tirent dessus là, mais... Il est con lui. Merde. Il veut quoi lui? Il veut mourir. Ouais. Mais c'est rentré. Ah, tiens, on entend du Queen là, c'est cool. C'est ça. C'est tellement en rapport avec ce qu'on fait. Attends, y'a Ico là-haut. Oui, je suis sûr que ça va bien se passer. Ah oui, attends. Vous voulez bien me laisser rentrer, j'ai les flics au cul. Ouais. Bon. Tire, arrête-toi, puis on tire sur les Ico. S'il voulait pas se mettre juste au-dessus de nous. Stop the car. Bah tu crois qu'on a fait quoi là? Ouais, on a arrêté là, voyons. Ah oui, regarde, on est. Putain, l'hélico, il est en train de cramer bientôt. C'est ça. Ah oui. Ah, il y a des qui sautent et tout. Ah bah voilà.
C'est ça, d'envoyer des échos contre nous, hein. Mais oh, le camion, là. Monsieur, vous avez plus besoin de cette portière. Et du coup, il attend. Non, non, il s'en va. Bon, bah, on merde dans les flics. Pourquoi on a pas fait ça dès le départ, en fait, de prendre la blindée et puis... Je sais pas. Le mec, il monte en route que ça flotte, excusez-moi. Je viendrai pour une fusillade, s'il vous plaît. Bonjour, laissez-moi monter, s'il vous plaît. Oh, le SWAT, c'est mignon. Ah, j'ai pas envie de dire. Ça leur viendrait pas à l'idée de chercher un lance-missile et puis boum, quoi, non? Ouais. Bah non, c'est trop simple. Ah, y'a l'hélicoptère là-haut, ça va être marrant. Ouais, et puis je veux dire, au même moment qu'il te dit d'arrêter la voiture, il te tire dessus, tu sais, voilà. C'est la peine. Oh, attends, Renard. Quoi? Tu veux pas aller chercher ton truc en or? Il sera drôle. Mec. Putain, j'ai plus fait d'armes correctes là. Radio Gaga. A vous, c'est la meilleure musique pour le moment. Ouais, c'est ça. C'est tellement la musique qui va pas avec ce qu'on fait. C'est drôle. C'est comme dans les cinématiques de jeu, tu sais. En fait, là, le flic il ouvre la porte et nous on est en train de danser à l'intérieur de la voiture. Les mecs, on est en voiture blindée, arrêtez de nous tirer dessus. Sauf citoyen qui a demandé à personne de nous tirer dessus. Ah, le SWAT là qui nous tire dessus, c'est mignon. Non, on est encore en vie, hein, c'est pas mal. Ouais. Bah, on est un peu dans une voiture blindée. Oui. Là, dans une voiture normale, on serait déjà tous morts. Oui, ah. Là, ça fera un moment là. Oh, l'agent du SWAT, c'est mignon. Oh, j'aime bien aussi les gens, au lieu de faire demi-tour, de s'arrêter ou quoi, non, non, ils traversent en mode attends, je dois aller là-bas, tu me fais pas chier, il y a une fusillade, j'en ai rien à foutre. C'est l'Amérique en même temps, ils ont l'habitude. Oh mon dieu. Allez-y, tuez-les. Là, je tire sur l'hélico en haut, moi, parce que c'est drôle. Ouais, moi aussi. Pareil, je viens détruire un hélico avec un pistolet, normal. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire aussi. Oui, bah, je viens d'en faire un, regardez, il s'est posé, mais il n'est pas été détruit, je propose d'aller le récupérer. Ah bah, tiens, c'est pas con ça, il est où? Il est là-bas, derrière les véhicules, là-bas, là. Voilà, juste pour toi là. Où ça? J'ai réussi à le faire se poser. Ah oui, il est là. Oui, j'ai réussi à le faire se poser avec mon flingue normal quoi. Il est où? Il est où? Il est où? Putain, il est juste là. Est-ce qu'il fonctionne encore? Attends, j'y vais. Il fume un peu par contre. Allons-y! Allez, viens, Marc-Omer! J'arrive! J'arrive, Marie! On peut pas aller dedans! Putain, ok, on se casse! Est-ce que ça puce? Les criminels trop nuls! Attends, les flics qui meurent au volant de leur voiture avant de pouvoir sortir, c'est pas nul aussi. Attends, j'aimerais péter la lumière de l'hélico, c'est chiant. Ouais. Non, ouais. Monsieur, pétez votre lumière, c'est vous. Ah, c'est bon, j'ai réussi. J'ai pété la lumière. Mais pourquoi j'ai pas donc de tir à droite alors que je suis à droite? C'est logique, voyons. Et pourquoi je suis en train de mourir, là? Ah, j'ai pété le rotor, c'est bon. Le pistolet, d'ailleurs. Voilà, tout va bien. Mais qui pète le roteur d'un truc au pistolet, tu sais. Oui, oui, tout à fait. C'est logique, voyons. Même les films d'action des années 80, ils faisaient pas des trucs aussi ridicules. Attends, y'a encore un hélico, là. Vous aussi, grâce à votre nouveau pistolet, détruisez les roteurs d'un hélicoptère. Là, il fait chier à être juste au-dessus, j'ai pas d'angle de tir. Ouais, mais Renard, il arrête pas de bouger aussi. Oh, c'est bon, j'ai... Voilà, les... Ah bah voilà, putain, mais c'est... Les mecs, c'est bon. Tirez-nous... On a 5 étoiles. Oh oui, vrai. Il y a un peu de tout le monde qui essaie de nous flinguer là. On n'est pas du tout les criminels les plus recherchés des États-Unis. Non, c'est faux, voyons. D'ailleurs, ils n'auraient pas besoin de nous rechercher en fait, hein, on est là. Allez, mec, tirez sur les roteurs avec vos pistolets. Quel le nombre de voitures qui s'entassent. Bonjour, monsieur du SWAT, ça va? Bonjour, monsieur l'agent, vous avez besoin d'aide? Et en fait, 5 étoiles, ça fait rien de plus. Hein. Oui, oui, c'est ça, il n'y a même pas les militaires. Non, non. Ouais. Ah mais s'il y a un tank, s'il y a un tank... Les flics qui appellent les militaires. On a un mec en voiture blindée qui est en train de tuer la moitié de nos unités là. Oui, envoyer un tank ou quelque chose. Non, non, démerdez-vous. Et après t'as le mec qui sait. Et là t'as le mec, il arrive là, il est un peu teubé, il sait pas ce qui se passe. Oh, c'est la fête de Noël, il y a plein de gens. Oh, il y a des lumières rouges et bleues partout. Oh, bonjour. Je propose de tuer ces deux flics. Le mec il repasse au volant, il fout quoi? Quelle position nulle pour mourir! Non mais sérieux, t'as fait un backflip! Bah en fait, 5 étoiles, ça change rien dans GTA. Attends, dans tous les GTA avant ça, avoir toutes les étoiles, c'était les militaires qui arrivaient, et là, rien. Non, je te dis, c'est les militaires qui sont en mode non, ça va, attends, à chaque fois, on essaie de venir vous aider, on nous donne pas le mode d'emploi du tank, on sait pas comment tirer, comme des cons, on se fait flinguer.
Ah, mec, j'ai l'hélico. C'est bon, j'ai eu un hélico. Vous savez que j'avais prévu de finir le live il y a 20 minutes. Ah, bah ça va, si c'est qu'il y a 20 minutes. C'est ça. Bon, sinon, j'ai eu un hélico, il manque plus plot. C'est drôle. Voilà. Non, moi, je tire plus depuis tout à l'heure là, hein, je voulais se faire. Ah, mais moi, depuis tout à l'heure, je tire sur les hélicos. Au pistolet. On essaie d'échapper aux 5 étoiles pour voir si c'est vraiment oui, possible. Oui, vas-y. Vas-y, on y va. Parce que là, normalement, on est censé être mort depuis 20 minutes, là, quand même. Et là, on fait juste 5 mètres, on se planque et on a réussi, voilà. Voilà, mais en fait, tu montes en haut de la colline à droite, là. Ouais. Pour éviter les routes. Mais vous êtes au courant que c'est pas moi que c'était possible de défoncer des hélicos. Qu'est-ce que ça fait, là? Double front flip. J'ai rien avec l'autre joueur, non mais... Les mecs, je savais pas qu'on pouvait détruire un hélico de la police avec un pistolet. Moi non plus. Bah, c'est logique, voyons. Bah là, il y a les hélicos qui nous suivent, c'est le seul truc qui fait qu'ils... Ouais. Parce que j'en ai au moins des trucs 4, donc bon. On flingue, hein, on précise. Oh, elle est bien en plus, la musique qui passe, là, en fond. Ah ouais. Putain. Putain, mais t'arrêtes avec tes cascades, là, c'est pas le moment, on a... Non. Non. C'est dangereux. Non, mec, non. Eh ben non, ouais, regarde, voilà, je tourne les roues, donc je me remets. C'est ça, oui. La logique, tu connais pas, voyons. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, comment ça va? Vous avez besoin d'aide, peut-être? Je crois qu'on pourra pas y échapper. Bon, allez, on repart, excusez-moi, on voulait pas. Voilà, on a juste on besoin de... un endroit éloigné des routes, on peut flinguer ces échos de merde. On va au camping avec notre famille. Monsieur, on voulait... C'était les balles de l'amitié, voyons, on les a pas tués. Mais on était pas censé arrêter le live. Si. Non. T'inquiète. Ah. Bon, on continue. Utilisez le menu interaction pour défier un autre joueur à une course improvisée. Merci pour l'astuce GTA, mais là non, c'est non, pas le moment. Est-ce que vous avez la même musique que moi là? Oui, oui. Oui. Elle a la classe en plus. Oh putain, non. Non, mais toi. Là, on perd la voiture, on est tous morts. Hein. Oui, je comprends. Non, mais là c'est clair. On est tous morts, décédés, tout ce que tu veux. Ah, par-dessus la rambarde. Ouf. Allez, tirez sur les hélicos. Mais elle est incroyable cette voiture. Tu m'étonnes. Allez, pardon, dans l'autre sens. Ah bah tiens, Vinewood, bonjour. Allez, vas-y Roger. Oh là. Putain. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, on a pris le rebord là. Allez, vas-y. Quand même, je veux pas dire, on est vraiment des stars, regarde, on est sous les feux des projecteurs. Et tout. Et puis on devrait déjà être mort dans la voiture là, avec tous les tonneaux qu'on a fait. C'est sûr que là t'as tous les mecs du monde, ils sont en train de parler de nous. Les mecs qui sortent en fait, ils sont complètement déformés, ils sont morts. Non mais ouais. Le pire les mecs, c'est que si on était dans la réalité, il y aurait tellement tous les médias du monde qui sont en train de nous parler. Voilà. Trois hommes dans une voiture blindée ont tué 125 membres des forces de l'ordre. C'est ça, et nous on serait avec nos pistolets, ils on serait détruire les ennemis. Ils ont fait crois qu'ils sont morts. Non, la voiture roule encore, tout va bien. Ah, bonjour, bonjour messieurs. Non mais là dans la vraie vie tu fais ça, les flics ils essaient même plus de t'arrêter. Hein. J'aimerais savoir pourquoi ils continuent d'envoyer des flics normaux. Enfin, ouais je sais pas. Non, c'est un peu débile. Non, tu mais fais ça, vrai, tu fais ça dans la vraie vie, les flics essaient plus de t'arrêter pour se foutre en prison là, ils chassent là les flics. Hein. Ouais et c'est même plus les flics qui chassent là, c'est le SWAT, l'armée qui tue. C'est clair. Wow. Voilà, c'est un stunt quand même hein, voilà. Tiens, t'aimes bien les stunts toi. Et ça c'était le stunt de la vidéo. Attends, c'est pas parce qu'on est recherché qu'on doit pas avoir la classe, attends. Attends qu'on est recherché pour faire un minimum de classe. Bah oui, attends. Normal, voyons. On va faire ça de façon normale. Yeah. Ouais, à l'époque il suffisait d'aller dans un pay and spray. Et puis t'avais plus d'étoiles. Tiens, d'ailleurs je me demande si aller dans un pay and spray ça marche toujours. Ouais. T'as déjà essayé ça? C'est vrai qu'on a plus de munitions, ça va être compliqué. T'as déjà essayé ça, un pay and spray? Attends, je te mets un marqueur. Merde, je peux pas. Y'en a juste devant nous les mecs. Ah bon? Oui. Mais y'a un marqueur là, à la place du mien, je sais pas où il est. Je sais pas à qui c'est. Je vais l'enlever, voilà, c'est bon. Ouais, attends, je mets un marqueur. Hop, juste là, voilà, vas-y. Voir si la technique des vieux GTA fonctionne encore. Oh, oh putain. Tu fais quoi là? Regarde, voilà. Bon. Il y a des gens qui sont en train de devenir fous parce qu'on a 5 étoiles là dans les commentaires. Les gens ils sont en mode oh mon dieu ils ont réussi à survivre jusqu'à là, c'est incroyable. Non mais la durée de survie qu'on a là avec 5 étoiles. Ouais t'as vu on est des professionnels hein, qu'est-ce que tu crois. Ouais on a surtout une voiture blindée. Et là et puis on est en train de rouler comme si on était en train de faire des... Et là t'imagines t'as un vrai flic qui regarde le live et qui nous dit oh mon dieu. En même temps il y a des flics qui jouent à GTA hein, tu sais. Mais t'imagines le mec qui s'en fout qu'on est vraiment des tarés en fait.
Ah bah vas-y, Renard, tu fais quoi là? Vas-y, avance. Des trucs sur les chaînes de télé qui voient ce qu'on fait. Renard, pourquoi t'as arrêté? Il y a une mission sur la télé en mode regardez ce que c'est. Pourquoi la connexion elle est à chier? Pourquoi Renard s'est arrêté? Je me suis arrêté. Non, non, là il est dans le. Ok, je crois que j'ai une de synchro. Voilà. Ouais, je crois oui. Oh mon dieu. Ah, ça y est. Ah putain, ça marche! Et par la voiture, on se casse. Ça part la voiture et on se casse. Voilà. Mais pourquoi vous avez la voix qui est aussi pourrie? Oh! On a plus de cette voile! Putain, la technique du. C'est pas le mec qui vient de tuer la moitié de nos équipes qui est rentré dans le garage? Non, non, là c'est foutu, là il a des temps qui repart de la voiture, c'est mort. Putain, mais vous avez une qualité. Vous avez une qualité pourrie de micro là, mais il se passe quoi? Bah, je sais pas, c'est bon. Ok, enfin bref, on va s'arrêter là. Voilà, si c'est bon. On va aller chez moi, on va aller fumer un peu pour la fin. Non, c'est bon. Si cette vidéo vous a plu, les gens, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait vraiment plaisir. C'est mon rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, allez bye. Salut. Je suis tombé. Pour moi, vous êtes arrêté là, puis vous êtes téléporté. Hein. Ah d'accord. Tout bien. Allez hop, j'arrête le live. Enfin, j'arrête surtout le jeu parce que le live va falloir que je l'arrête à la main. Hop, échappe, oui, déconnexion de GTA Online, veuillez patienter. On va faire ça. Jean. Oh putain, ce bordel. Le jeu, est-ce que tu vas me laisser arrêter le live, s'il te plaît? Le jeu quitte, que je puisse arrêter le live là parce que c'est. Le jeu. Oh. Nous ne sommes plus là. Vous ne voilà, c'est bon. Allez, à plus les gens. À plus.